Vous êtes actuellement dans le métro, vous venez d'essuyer une attaque qui s'est brusquement interrompue dès lors que vous mettiez vos pieds dans le métro. Cela fait maintenant quelques minutes que vous êtes dans les ténèbres éclairées par de simples lampes torches. Vous avez trouvé un plan, vous aviez trouvé un itinéraire. Votre confrère de la GPA est soigné, mais vous entendez des pas. Des pas devant ou derrière, par rapport à où on avance. Je ne saurais pas vraiment dire, ça résonne. Il y a des pas. Je ne saurais pas vraiment dire si c'est juste à côté ou si c'est loin. Moi, comme je suis à l'arrière, je me permets de taper chez Union et demander à ce qu'on regarde derrière. À ce qu'il regarde derrière, pardon. À ce qu'il regarde derrière, voir ce qui arrive, parce que est-ce qu'il entend les pas lui aussi? Chevignon, attendez, il faut que je... HRP, il y a des chats qui l'emmerdent. J'ai mon chat qui était en train de piquer une canette de bière. Je sais pas pourquoi. Bref. Chevignon se retourne et regarde en arrière de là où vous venez. Et rien du tout. Ok, bah je lui demande juste de rester en arrière, de me pointer vers d'où on vient, simplement. Faudrait pas plutôt éteindre les lampes? Et justement, marcher en mode sans faire de bruit. Ouais, mais le problème, c'est qu'on verra rien. Et, à nous quatre, enfin, à nous cinq et plus, là, dans le noir complet, on va juste péter la gueule. Hein. Et vu comment il marche lentement, à mon avis, il est sûr de lui. Hein. Moi, je dis autant garder la lumière. Alors, vous entendez des pas, mais c'est pas des pas d'une seule personne. Ah, yes. Ah. À part mettre en joue mon arme, je vois pas ce que je peux faire de plus, hein, pour le coup. J'avance aussi, toujours avec ma vision nocturne et toujours l'arme en joue du coup. Personne n'a une clé mort. Mais ouais, tu vas les mettre où à ton pied? Derrière nous. On est pas suivi, tu vois. Alors que vous êtes en train d'essayer de savoir d'où vient, vous entendez un petit claquement métallique. Cling, 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 cling. Les gars, c'est le balrog. C'est une grenade. Faites-moi tous un test de constitution. Et en même temps, hein, vu qu'on reconnaît un peu le petit bruit, hein, je me précipite dans mon sac pour choper mon masque. Ah non, mon masque il est sur mon armure, t'as dit. Ouais, tu peux le mettre quasiment rapidement. Non, mais je vous demande quand même de faire un test de constitution. Constitution. Ok. Constitution qui est là, donc c'est... Je suis à 12. Je suis à 11. 10. Je suis à 11. 10, 12, 11, 11, c'est ça? Merde. Bien ça? C'est ça. C'est ça. Vous êtes... Oui, vas-y, continue. Assailli par une explosion de grenades flash. Vous avez le temps de mettre vos mains devant vos yeux pour cacher, car vous avez grillé. La flash vous touche un petit peu pour certains, vous êtes un peu ébloui. Et surtout, l'un qui est avec des... lunettes de vision nocturne qui du coup vit sa meilleure vie. Vous êtes ébloui pendant l'espace de quelques secondes et là cling, 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 une seconde flash explose. Vous êtes préparé, vous attendez juste qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, il y a une seconde flash qui vient d'exploser en l'espace de quelques secondes d'intervalle. On sait d'où vient la flash. Où vient la flash? Est-ce qu'elle est devant, derrière, elle fait tout devant vous, sur vous, entre vous, je sais pas. Oh putain de merde. J'enlève ma vision nocturne. Ok, Zoran enlève sa vision nocturne. Moi je fais. Je sors mon arme. Je sors mon arme et je demande à Chevignon justement de pointer avec sa flash devant nous. Ok. Il y en a deux qui ont des lampes poches, il y a Chevignon et il y a quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Amon qui est dans la deuxième lampe. Ok. Je regarde vers l'avant. Vous regardez l'avant, mais vous êtes complètement flashé. Enzo, enlève ton casque. Super. Enlève ton je casque. Prends la gueule ici. Les autres, vous regardez, vous posez vos armes. Vous voyez qu'il y a deux silhouettes qui viennent des rails. Il y a deux silhouettes qui viennent de la porte de droite, de l'autre côté des rails, qui viennent de lancer des grenades et qui sont sur vous, en train, qui sont armés en fait de machettes et d'armes de corps à corps qui vous foncent dessus. Qu'est-ce que vous faites? Oh là là. Je vise avec le col et je tire. Là! Et ça résonne. Je sors le colt, enfin je vise avec mon colt et je tire. Ok. Vous tirez tous les trois? Ouais. Eh bien, tous les trois, un jet de tir. Un jet de fusil, de pistolet,
N'oubliez pas vos bonus et vos malus, si jamais vous en avez, je vous fais confiance là-dessus. Alors... C'est les dés de dégâts ou... Non, 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 dés de fusil réflexe. Dés de fusil réflexe. Les dégâts, c'est... En fait, les dégâts, c'est dans des situations assez spécifiques. Là... Je suis à 19. 19 ? Ok. Ouais. Darnat, toi, t'es avec ton FAMAS ? Ouais, toujours. Ok. Avec ton FAMAS, tu... tire ta munition de 5,56 qui vient se rentrer dans le torse du premier homme qui était le plus proche de toi, qui venait du côté droit et qui s'écrase contre les rails. Toi de ton côté, Mick, tu tires avec, c'est un pistolet que tu as. C'est un anaconda. Un anaconda qui vient boum, résonner, mais malheureusement tu tires à côté, tu as été un peu trop troublé par les flashs, tu vises à côté et l'homme arrive vraiment très proche. Zoran, tu es... Et de 1, Zoran, tu tires avec ton Colt à ton tour et tu blesses au niveau du bras un second qui vient des rails. Le Chevignon et l'homme de la GPA tirent tous les deux sur un troisième mécréant qui vient s'écraser. Le premier qui est blessé et qui a été loupé par Mick vient et frappe Mick. Je vais lancer un dé de mon côté. Roll. Il m'a foncé dessus, moi je suis en troisième position là. Ils savent pas avec les flashs tout ça. Ok. Le premier te fonce dessus et du coup te met un coup de barre de fer sur la tête. Tu prends 4 points de dégâts. Ok. Donc tu enlèves l'armure et du coup tu prends un vilain coup qui fait le tang sur toi. Le dernier qui est encore vivant, du coup celui qui n'est pas blessé, celui qui est encore en forme, lui il a une espèce de petite machette et se jette sur toi, Darnat. Il se jette sur toi et tu prends. Hop. Tu prends 4 points de dégâts. Ils étaient 4. 4 points ? Tu prends 4 points de dégâts, tu retires l'armure. Ok. Attends, enlevez vos casques. Encore là du coup. Hein. Ouais. Ouais. C'est du corps à corps là, c'est du corps à corps. Oui, c'est vrai, c'est des dégâts de corps à corps. Excusez-moi, t'as bien fait de préciser. Enlevez tous les trois votre casque, je vais reprendre Enzo. Ok. Enzo, il vient d'avoir une flash et t'as eu une immense douleur derrière la tête. Tu fermes les yeux un instant car la douleur était forte et tu te réveilles quelques secondes après. Tu entends des coups de feu au loin. Tu es dans la pénombre et tu es traîné par les épaules en arrière et tu vois les flashs lumineux des coups de feu et tu vois que tu t'en éloignes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de me dire que j'ai pris un coup derrière la tête et que je me fais traîner vers l'arrière. Ouais. Bah, j'utilise ma compétence de. Allez. D'art de combat à main nue. Et j'essaie de retourner mon opposant si je suis pas trop sonné. Fais-moi un test de constitution pour voir si t'es assez sonné, enfin si tu peux te retourner. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, tu me lanceras un D8 aussi pour savoir si le coup t'a fait mal ou pas sur la tête. Ouais, bien sûr. Ça, c'est constitution. Donc je suis à 10. Et je te fais le D8. Ok, t'as pris 2 points. Là, tu mets pas ton armure, tu prends 2 points de dégâts. Parce qu'il t'a assommé. Ouais, c'est le crâne. Tu peux essayer de te débattre. Tu essaies de te débattre et tu t'arraches un peu de l'emprise de tes adversaires. Et quand tu te retournes pour voir ce qui est en train de se passer, tu es en train de te relever. Tu vois qu'il y a 2 mecs plutôt musclés, mais torse nu, qui t'ont pris et qui vont revenir sur toi pour te rattraper et te remettre un pain dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais ? Tout en reculant, j'essaie de vite rattraper mon arme qui est au niveau de mon holster. Quand tu mets ton arme dans ton holster, y'a pas d'arme. Y'a pas d'arme, purée. Est-ce que je les vois bien ? Est-ce que non. Il fait pas trop sombre ? Il fait trop sombre. Tu vois juste les silhouettes, mais... tu vois les silhouettes avec les flashs. C'est avec les flashs et les mouvements de. Tu vois que c'est deux hommes, mais tu vois pas grand chose. Et ils te foncent dessus, tu sais, c'est comme en boîte de nuit avec les thromboscopes, tu vois, ils se rapprochent de toi. Trop bien ! Je prends une flash dans ce cas-là. Est-ce que j'ai les flashs qui sont à portée au niveau de ma ceinture ? Oui, tu peux prendre, tu peux prendre. Ok, j'en prends déjà des goupilles, je la jette devant moi, je m'éloigne en me retournant. Et au moment du...
pète, je me retourne et j'essaie d'engager les silhouettes. Enlève-moi une grenade flash de ton côté. L'explosion retentit. Le flash illumine le métro. Enlève ton casque, je reprends les autres. Ok. Yes. Heureux. Alors que vous êtes en train de vous battre, que Mickey et Darnat essuient des coups de barre de fer et de petits couteaux coupants, qu'est-ce que vous faites? On reprend Amaron, pardon, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? On commence par toi. Vu qu'on est au corps à corps, écoute, il y a un moment où je prends le tomo, quoi. J'essaie de le repousser pour prendre le tomo, déjà, je pense. Tu peux te servir du tomo. Il a fait un pas de recul pour justement voir venir, donc tu peux t'en saisir. Fais-moi du coup un test de mêlée, du coup, avec ton tomahawk. C'est quoi ça? Ou art du combat, pardon. Fais-moi un test d'art du combat, c'est en réflexe. Et Darnat, qu'est-ce que tu fais? Le gars est collé à moi ou il y a un petit peu de distance? Il est un petit peu collé à toi quasiment, il est à 1 mètre de toi quoi. Est-ce qu'il y a moyen de me mettre un petit coup de pied pour le faire reculer, lui mettre une balle? Bah tu peux me faire un test de... Fais-moi un test de constitution pour le repousser. Okay, et ensuite tu me feras un test de fusil. Ok Mickey, tu lui mets un coup. Tu lui mets un coup de tomahawk au niveau de son torse, ça lui érafle. Lance-moi les dégâts du coup. C'était un des 12, c'est ça? Je crois, hein. Un des 12 plus 1. Je crois que c'est un des 12 plus 1 ton tomahawk. Un des 12 plus 2 alors. Lance-moi un des 12 plus 2, tu lui feras les dégâts. Darnat, du coup, tu lui mets un vilain coup de pied qui lui fait tomber en arrière, qui lui fait trébucher. Tu lui tires dessus au Famas? Ouais. Ah ben lance-moi un dé de fusil réflexe. Mick, tu lui mets un violent coup de tomahawk au niveau du torse. Vu qu'il ne l'a pas, il est à poil, hein, il est en torse nu. Il a juste vraiment des petits lambeaux de vêtements sur lui. Tu lui ouvres son torse. Il recule blessé et il a l'air de faire demi-tour pour partir en arrière et se sauver en criant de douleur. Il en reste un. Et il reste du coup celui qui est accroupi. Toi, est-ce que tu as tiré Darnat? Tu as tiré. Ouais. Tu as tiré et tu lui as mis une balle au niveau du cou qui lui fait se vider de son sang et mourir. Darnat, Zoran, qu'est-ce que tu fais? Il en reste un qui est en train de s'échapper. Je prends mon fusil, je tire. Ok, fais-moi. Je te fais pas de fusil parce que là, avec les lampes et lui, vu qu'il est en train de courir et qu'il est blessé, il est assez lent. Utilise une munition, n'oubliez pas, si vous tirez, vous utilisez une munition. Ouais, tu l'exécutes, c'est bon, ouais, c'est bon. Il s'écroule tête face au sol. Et vous remettez vos esprits, vous êtes encore un peu sonné pour certains par les coups qu'ils ont pris, pour les autres par les explosions, les flashs. Et quand vous vous retournez, que vous êtes en train de vous compter, Enzo a disparu et le docteur Azul a disparu. Alors petite question juste. Ouais. La mêlée du coup c'est pas la constitution? Si. Tu m'as dit réflexe, merde. Parce que l'art du combat? Tu te bats avec l'art du combat Tomahawk? Alors elle sert à quoi la mêlée? La mêlée c'est à main nue. Ah ok. Et c'est par exemple si quelqu'un t'enlace, tu sais, avec ses bras pour te maintenir, tu vois. Ok. Ok. Enlevez tous les trois vos casques, je reprends Enzo. Allô. Enzo. Tu as fait détonner une flash, il y a des coups de feu derrière toi. Tu entends des cris de douleur, des cris. Et ils sont face à toi, deux hommes qui ont été flashés, qui se tiennent les yeux. Et tu vois, rapidement, une blouse blanche s'éteindre dans la pénombre derrière ces deux hommes. Qu'est-ce que tu fais? Vite, qu'est-ce que tu fais? Je me jette sur un des deux premiers avec mon art de combat à main nue et j'essaie de la mocher au mieux, quoi. Ok, yes. fais-moi un test d'art du combat main nue. Yes, juste pour rappel, mon perso a plus art du combat main nue plus 2 par maîtrise du combat. Ajoute-les à ton lancer de dés. Et il a aussi, suite à mon équipement, dans ma prothèse, plus 1 en jet de combat main nue. Donc ouais, plus 3 en plus de tout ce que plus je dis. Plus 3, plus ta constitution, plus ton réflexe, plus ton jet de dés. Donc c'est réflexe 4, donc c'est 1 des 6... Slash roll 1 et 6 plus 14, c'est 1 des 6 plus nos cartes de combat manu plus les 3 points que je t'ai dit. Ouais, 3 plus ta réflexe plus le 1 des 6. Ah oui, plus mes réflexes, oui, c'est vrai. Plus 7, 8,
tu te jettes sur lui, mais il contre tes coups. Il a l'air d'être assez fort au corps à corps. Le calme s'est fait entendre chez vous. Vous vous rendez compte qu'il vous manque Enzo et qu'il vous manque le docteur Azul. Et vous entendez dans le couloir qui était sur votre gauche qu'il y a combat. Et vous voyez assez vite avec les lampes que vous braquez. Vous voyez de dos Enzo en train d'être pris à partie par deux hommes. Et il se bat au corps à corps contre eux. Qu'est-ce que vous faites? On commence par... On revient à nouveau tour de table. Darnat, tu fais quoi? Je mets une balle sur le plus proche de lui, d'Enzo. Ok, alors je tiens à te rappeler, rappel de MJ, c'est un couloir, d'abord c'est le dos de Enzo, et ensuite c'est deux hommes. Est-ce ah que oui, tu tires? Ok, d'accord. Tu tires ou pas? Non, est-ce bah, que tu fais confiance à tes capacités de snipers? Sauf si je prends mon Winchester. Vas-y. Ok, je passe pour mon Winchester alors. N'oublie pas qu'il y a des malus du fait à la distance, du fait du côté sombre, du fait que... Mais bon, je vais arrêter de te rappeler des trucs. Je vais tester. Tu testes tester. Ok, tu testes. Vas-y, okay. Dis-moi. Attendez, je vais muter deux secondes, je vais donner le seuil aux viewers. Les viewers, le seuil est à 16. S'il fait plus de 16, la balle passe. Ok, tu lances un dé de fusil. Tu lances un dé de fusil. C'est quoi mes malus? Il fait sombre. Il fait un peu froid, okay. Tu viens de te sortir d'un combat et Nuke est quand même assez proche de toi. Okay. Ah, bon moins 6. Hein. Un bon moins 6. Je sais pas. MJ, combien? Ah, je te dis pas. Allez, lance les dés. Bon. Tu sais qu'après coup, en fait. Ça va. Ouais. Ça va. Tu fais 18, la balle passe à côté et elle fait même trébucher Enzo vu la puissance de l'impact. Et elle vient éclater le visage d'un des deux mercenaires, l'un des deux concurrents d'Enzo qui s'écroule au sol. Il en reste plus qu'un. À toi, Enzo, tu fais quoi alors que tu as un peu trébuché? Je me relève et je me recule le plus vite possible vers mes camarades. Limite en rampant, c'est à 4 pattes en arrière là comme ça. Ensuite, c'est à Zoran, tu fais quoi? Bah, du coup, vu qu'il est à terre, je vise, je prends mon Colt parce qu'il fait, il est beaucoup pour prendre le snipe. Je vise avec mon Colt, mais je risque pas de toucher Enzo vu qu'il est en train de ramper comme il vient de dire. Normalement, sauf si tu te loupes littéralement. Mais tu peux me faire un jet de pistolet alors. Toi, Mahon, tu fais quoi du coup? Pendant que tu vois que, ouais. Que Darnat et Zoran sont déjà les fusils pistolets et ils sont en train d'allumer, alors qu'il y a Enzo qui est à quatre pattes en train de. Je fais les poches des mecs qu'on vient de buter là. Oui, lance-moi un D10. Il peut y avoir des trucs utiles ou autre. Lance-moi un D10. Ah oh, putain, l'aspirateur, même dans le JDR quoi. 6. Et l'or que j'entends. Ok. Les gars. Ok, du coup, t'as fait combien? T'as fait 7, Zoran? Je fais 7 et j'ai plus qu'une seule balle dans mon chargeur. Ta dernière balle vient taper à côté de la fesse d'Enzo. Elle touche pas l'adversaire. L'adversaire commence à avancer et attrape le pied d'Enzo qui le fait tomber le visage au sol. Enzo, un des 4 PV, gratuit. Et il commence à le tirer et vous voyez qu'il veut s'éloigner avec, genre il veut l'amener dans sa grotte. Toi de ton côté, Mick, tu as fait 6, tu as looté 60€ de loot sur les cadavres. Nice. Enzo, tu retires 3 points de vie. Tu retires 3 points de vie. C'est fait. Ok. Ensuite, on retourne à Darnat. Tu étais le premier à jouer. Donc à toi de jouer. Est-ce que je retente un tir? Non, je pense que je vais courir vers Enzo pour lui porter secours. Pour essayer de me rapprocher un peu plus là pour le coup. Ok. Donc là, t'es à une dizaine de mètres de Enzo. Tu dois courir un petit peu. Toi, tu fais quoi, Zoran? Je recharge, tu m'as dit que c'était une action donc je recharge. Ok, tu recharges ton arme, tu peux te déplacer aussi, hein. Tu peux te déplacer pendant que tu recharges. Ben, j'avance vers la porte mais je me mets pas face à. Enfin, je me mets pas dans l'encadrement de la porte, je me mets sur le côté. Ok. Ensuite, du coup, le looter fou, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, maintenant que j'ai fait les poches des mecs, bon, je pars du principe qu'il y a 3 contre 1, il devrait s'en sortir même s'il y en a un qui a la face contre terre. Écoute, tu vas le faire.
Je vais commencer à me rapprocher de notre poteau champignon, là, puisque t'as dit que ça se fightait. Ou j'ai pas suivi. Là, il reste plus que le couloir avec le mec qui a pris par le pied Enzo et qui va s'en aller, là. Y a pas une direction dans laquelle Champignon il est parti? Il aurait pu disparaître. Champignon il est avec vous. En fait Champignon il est avec vous là. Et en fait il est autant bloqué que vous. Vous êtes dans un couloir et il est derrière en train de surveiller qu'il n'y a pas de problème dans votre dos. Eh bah écoute, waza, je cours pour aller taper la main qui tient la jambe de Enzo. Okay, avec okay. Mon pommeau bien sûr. Ok ok, alors juste un instant. Il va tirer la cheville lui tu vois. C'est ce que je me dis, écoute, au moins tu sais. Moi pendant ce temps, je me suis dit, j'ai créé mon tour, j'étais assommé par le gars qui me tient la jambe quoi. Purée. Ok, ok, ok. Alors, vous vous approchez tous les trois comme des bourrins. Oh, rendez-nous Enzo! Rendez-nous Enzo! Il le tire. Enzo, tu fais quoi? Tu es le seul à ne pas avoir joué. Est-ce que je peux me relever pour me jeter sur le gros du coup? Constitution, parce qu'il te tient par la. Il te tient par la jambe, hein. Ouais, tu m'as dit que le mec était massif, moi je me jetais dessus. Mais t'es bien par là, en fait, tu peux pas te relever, t'es à terre, t'es en train de ramper, enfin t'es traîné au sol en fait, t'es traîné. Ok, 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 attends, je vais sauter dessus. Bah, rien à comprendre. Bah, ou pas, en fait. T'essayes de te défendre, tu vois. Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais lancer un D10, de quoi. Je vais lancer un D10. Un D10 plus 1, ok. Un des 10 plus 1. S'il fait plus, il te met une patate pour te calmer. S'il fait moins, il te tient. Ok. Ok, il te tient. Il te tient et il fait reste tranquille. Puis il continue à tirer par la jambe. Les autres, vous faites quoi? Le plus proche, du coup, celui qui a décidé de courir le plus vite possible, c'était Darnat, je crois, qui est sur lui. Tu es juste à côté de lui, t'es à 5 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Mettre une balle sur le bras du gars là. Ok, fais-moi un test de fusil du coup. Tu essaies de viser du coup à 5 mètres le bras qui est du coup à côté du pied de Enzo. Il y en a un qui va pas. Qui vont pas sortir. Je crois que je vais perdre ma jambe. Pourquoi vous faites compliqué alors qu'une balle dans la tête c'est plus facile qu'une balle dans le bras? Parce qu'on le fait souffrir. En fait, moi je sais pourquoi. Alors, voilà ce qui se passe. Lance-moi les dés de dégâts s'il te plaît. Ça marche, attends. J'ai été. Ok. Moi j'étais là-dessus. 3 plus. Et c'était combien? Ça? Ok. Enzo, oh. Tu prends 13 points de dégâts. Gratuit. Et. L'homme se prend. L'homme se fait arracher le bras. Tu sens que la main est toujours sur ton pied, Enzo. Mais en plus de la main, il y a une munition qui est rentrée dans ton pied. Et la main est toujours attachée comme une espèce de collier de sécurité. Tu sais, les bracelets de sécurité. L'homme s'en va en courant alors que son bras est arraché. Zoran, Amaon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez encore faire une action avant de le voir disparaître. Je lance ma hache dessus. Ok, bah le premier à agir, c'est du coup Amaon. Fais-moi un G d'armes de G en. Mouvement. en condition. Normalement, je suis censé me prendre 13 points de dégâts, mais j'ai mon armure qui me retire 3. Est-ce oui, que tu retires les 3. Tu retires les 3. Super. Alors, premier qui fait. Je le préviens, je l'emmerde dans l'au-delà. T'as compris? Attendez. 1d6 plus 5. 13. Ah non, pardon, 6. Oula. T'as fait, c'est pas 13, hein, 6. Ah, tu lances ta hache qui vient rebondir sur les anciens carrelages et qui s'écrase par terre. L'homme disparaît dans la pénombre, mais vous pouvez le suivre avec les traces de sang. Vous avez libéré Enzo de son malfaiteur. Mais il est encore en vie. Qu'est-ce que vous faites alors que vous entendez dire Chevignon, le sergent Chevignon, le docteur Azul, où il est? Qu'est-ce que vous faites? Enzo, où est le docteur Anzul? Ma jambe, putain, mon pied! Eh les gars, j'ai trouvé 60$! Putain! Je pisse le sang, mon pied, soignez-moi, mon pied! Alors, j'ai de quoi te soigner, mais je ne peux pas soigner, donc. Moi, j'ai de quoi te soigner aussi, je peux te le donner. Par contre, clairement, avant que je te soigne, par où ils ont enlevé. Dans le couloir, le long du couloir. J'ai vu les deux gros mastifs machin là.
il partait derrière, je crois que j'ai vu sa chemise, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il partait dans le fond. Je sais pas s'il était traîné, s'il courait de lui-même, je sais pas. Mais il partait dans cette direction. Et je monte dans ce cas-là, bah, juste derrière les coups-barlos, quoi. Ok, je lui donne du coup, dans ma trousse de soins, je crois que j'ai un truc qui peut... il saigne fort, je vois qu'il saigne fort. Ah, oh, bah là il pisse le sang là, ouais, ouais, ouais. Oh, oui, j'ai pris un bon truc. Il s'est pris une jolie balle quoi, qui est dans la jambe là. Est-ce que vous voulez vraiment me le donner? Moi je voudrais, je voulais pas me soigner. J'y connais que dalle. J'applique mon côté riser sur lui pour qu'il arrête de saigner directement. Ok, fais-moi un jet de. Ah, un côté riser? Ok, utilise le côté riser du coup. Tu enlèves une action et donc, Enzo, tu arrêtes de saigner. Tu arrêtes de saigner, mais la douleur est là et tu n'es pas bien du tout. Bah moi je vais récupérer ma hache et apparemment il y a un mec qui traîne à côté du bonhomme, donc je le loot aussi. Ok, tu ramasses une grenade RGD5. Yep. Et je récupère mon tomahawk. Ouais, tu récupères ton tomahawk. Okay. Et du coup moi j'applique le cautériseur et puis j'avance vers là où est parti Azul. Ok, tu y vas tout seul? Non, je commence à avancer quoi. Bah, il faut appliquer le cautériseur et puis okay. Je vais suivre Zoran. Ok, ok. Tu veux bien, Enzo? Il te fait un petit truc là? J'ai un peu mal. Ça va. Ça va? On va y aller, on va y aller, on va y aller. Du coup, je me relève difficilement et puis on va. Enfin, je vais marcher assez lentement du coup. Tu vas être au niveau du mec de la GPA qui est blessé et du sergent Chevignon. D'ailleurs, sergent Sauvignon qui prend la marche avec vous et qui avance pour récupérer le docteur Azul qui a disparu. Vous avancez le long d'un couloir et la plupart des portes sont verrouillées, barricadées, vous forçant à prendre un seul et même chemin. Vous continuez à prendre ce chemin? Mais c'est barricadé, mais ça peut pas avoir été fait dans l'instant. C'est barricadé depuis toujours. C'est barricadé, bah pas vraiment en fait. Il y a des barricades, c'est pas normalement, tu vois pas ce genre d'objet sur, dans un métro. Ça a été barricadé. C'est une espèce de couloir. Il y a de plus en plus de graffitis qui apparaissent le long du couloir, des pancartes où il y a des dessins qui ont été faits à la main. Et vous pouvez lire, pour ceux qui savent lire, vous allez rencontrer colère. Oui, mais je veux dire, les barricades, on ne date pas de là maintenant. On voit que c'est pas frais. Tu sais pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment. Ça, non, en fait, je pourrais pas dire. Ça a pas pris la poussière, genre. C'est étrangement, okay. Ça va, quoi. C'est pas entretenu, mais ça va. Ok. Je demande à notre ami Yann, j'ai oublié le... Darnet. Ouais, de voir, genre, qu'est-ce qu'on fait? On teste les barricades ou on avance? Que les barricades, on va les laisser là, on va avancer. De toute façon, l'objectif, c'est le docteur Azul. Donc, je pense qu'on va avancer, histoire de... Laissons les barricades, on n'a pas de... On va pas avoir trop de temps. Étant donné que notre ami est bien blessé aussi, il va falloir avancer au plus vite. À cause de qui? Une balle sur deux. Et j'ai... ça va. Ah. J'ai plus sorti de la galère qu'autre chose. Tu devrais plutôt me dire merci. Moi, bon, bah, ça, je suis arrière à essayer de secouer ma jambe, à retirer ce bras qui est accroché, là, tu vois. Vous voyez qu'il y a du sang qui est très frais, qui est sans doute le sang de l'homme qui a perdu son bras et qui essaie d'enlever Enzo. Vous avancez. Et. De plus en plus de graffiti, de dessins, et de plus en plus le mot colère. On avance, on suit les traces de sang. Ouais. Ok. Vous arrivez au niveau... Il nous a mis en colère aussi, donc il n'y a pas de soucis. J'ai l'impression qu'on va arriver chez eux, les gars. Parce que bon, là, il y en avait un, il est en fuite, on est en train de le suivre. Alors, je suis d'accord, il y a un VIP, mais si on arrive chez eux... Ouais, mais au moins, il y aura du loot. Tu veux pas remettre tes flashlights, ta JVN et on coupe les flashlights là vite fait? On te suit un peu à la main, mais. Allez. Il y aura du loot. Yes. S'il n'y a pas de source de lumière, la JVN il verra rien quoi. Il en faut un minimum de source de lumière. Ah, mais tu t'en braques la flashlight derrière. Ah, il commence à y avoir de la lumière. Ah, ok. Bon, bah. Hey. On fait ça, avancez, on met un flash. Plus vous avancez et plus vous voyez des lumières de type torche. J'en prends une au mur du coup si on prend pas les flashs, les JVN là. Quand vous JVN avancez. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, JVN, JVN. Ok, bah go JVN. J'ai fait un peu. Vous faites quelques mètres JVN, et à la JVN, vous ne voyez plus rien à cause des torches de lumière.
Ah, je l'enlève. Vous êtes face à une grande double porte verte en métal avec écrit en grand colère. Est-ce qu'il y a du sang toujours? On oui. est toujours sur la bonne trace. Le sang. Il y a du sang. Le sang est là, va dans cette direction. Il n'y a que ça. Tout a été barricadé pour vous amener devant cette double porte verte. Messieurs, dames, étant donné que je ne sais pas lire, ça veut dire quoi le mot qui est écrit? C'est colère. Et ça veut dire quoi? C'est dans l'état dans lequel on est. Ouais, on est en colère. D'accord, je me sens bien du coup. Le mec très posé, très calme. C'est l'état d'Enzo ce matin avant qu'il prenne son cachet. Ah, c'est bien ça. Ok. Alors, ça, franchement, c'est un super exemple. D'ailleurs, tu veux pas qu'on en parle un peu là? Tu veux qu'on parle de quoi? De mon addiction? C'est ça que tu veux? Exactement. Ah, oh, histoire de détendre un peu l'atmosphère là, on est pas bien quand même. Détendre. Moi j'ai envie de m'énerver. La porte elle s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Vers l'intérieur. Donc on doit la pousser pour rentrer? Ouais. Ok. Il y a deux petites fenêtres qui sont en haut de la porte qui vous permettent de voir à l'intérieur de la salle. On regarde la hauteur. Bah, hauteur de tête humaine, peut-être 1m60, 70, 80. Ah, je suis trop petit. Bah, moi je regarde, hein, comme je suis plus grand. Tu regardes et tu vois absolument rien. Yes. Genre il fait noir ou il je vois noir. Rien parce qu'il y a personne? Il fait noir. Les fenêtres Est-ce sont... que j'entends quelque chose? C'est grillagé ou c'est fenêtres. C'est des fenêtres blindées, vous savez, qui sont. Les anciennes fenêtres blindées, enfin des vitres blindées avec des carreaux là en métal, des petits fils de fer dedans. Enfin, c'est des, genre c'est le truc des portes. Les trucs qui se croisent comme c'est ça. C'est ça, ouais. Ça se croise dedans. Ouais. Les fenêtres sont une à côté de l'autre ou elles sont bien éloignées? Non, en fait, c'est des petites fenêtres, c'est une porte avec une fenêtre, une toute petite fenêtre. Ah, une seule. Bah, par porte, ouais. Et du coup, on n'entend rien non plus? Non. À ce moment-là, moi là, je fais Zoran, pensez pas à prendre une lampe, à essayer de 20h avec. Moi j'ai ma torche. Ouais, on va se faire griller direct. Il sort, joli Mickey. Une joli. Terrible. il a des équipements en ligne, terrible. Non mais si vous voulez, quitte à faire ça, autant te frapper à la porte et demander qu'on nous ouvre. Et si on s'énervait à la porte? Si on faisait le colère? Si on faisait le colère. Un mot de passe, peut-être. Peut-être qu'il faut s'énerver pour rentrer. Ouais, Enzo, énerve-toi, on t'attend. J'ai trop mal. Je demande à Chevignon s'il connaît un colère. Ah, on va colère. Colère. Colère, colère, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que c'est un des membres des gangs des sept péchés. Est-ce que je connais avec mon truc compétence rue machin? Connaissance de la rue sans froid, c'est parti. Pour ceux qui veulent ça, connaissance de la rue. Je peux le faire aussi. Ouais, allez-y, allez-y. C'est quelle connaissance de la rue? C'est sans froid. Sans froid plus connaissance de la rue. Faut que j'envoie perso encore une fois. C'est un... Alors c'est sans froid plus connaissance de la rue. Par exemple, moi ça fait 5 plus 1. Et du coup, je lance un dé de 8 ou un dé de 6? Dé de 8 du coup. Si c'est... Ah non, non, non. Le dé qui est lié à ta caractéristique. Ok, d'accord. Avant le bonus de compétence. Zoran, ça te dit rien. Et il faut absolument avoir la compétence connaissance de la rue pour utiliser ce truc ou... Moi, non, si 9. Tu peux l'utiliser, t'auras moins 1. 9, ok. Ok. Ça te dit vaguement quelque chose, Mix. En effet, ça te... T'en as déjà entendu parler de colère, c'est peut-être un chef de gang, ouais. Mais t'en as... Les gars, je crois que c'est un chef de gang. Tu devais pas faire un D8, Mickey? Non, justement, c'est un D6 parce que... Moi, c'est un D8. C'est pas cumulé. Super. Attends, t'as 6 en sang-froid. Mmh. Moi j'ai 5 plus 1 en sang-froid, tu m'as dit. Ah six. D'accord. Alors, okay. J'ai 5 en sang-froid, donc je lance un dé de 6 et ouais. J'ai plus 1 en connaissance de la rue. C'est bon, c'est ça. C'est ça. Darnat, toi aussi ça te dit vaguement quelque chose et globalement vos informations sont pareilles quoi. Ça a l'air d'être un chef de gang et peut-être que c'est lui qui aurait organisé l'attaque du convoi. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'avance, je brûle la porte, je fais. Je commence à bourrer la porte, je fais « Bande de connards, rendez-nous notre... » Bref, voilà, j'insulte pas mal de fois.
scientifique, machin, je m'énerve un bon coup, je vous le rendez maintenant. Et puis j'attends. Pas sûr que ce soit une bonne idée ce que t'es fait. Hein. Tu tambourines la porte. Et la seule chose que tu entends, c'est l'écho que tu as créé à l'arrière. Vous avez un crochet, les gars? Je suis plutôt pas mal en crochetage, moi. J'ai quelques. Ah, mais c'est pas verrouillé, hein. Tu sais, c'est les portes genre. Tu appuies sur les barres au milieu. Vous avez une poignée, les gars, histoire qu'on l'ouvre? Non, ça vous dit pas, on l'ouvre? T'es en train de me dire que j'ai bourriné pour rien, qu'on aurait pu l'ouvrir? Eh, hey, la porte, vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez. Bah oui, c'est ce que je disais. Alors, je mets mes deux mains, je me calme, je descends mes mains, je mets mes deux mains sur la barre et j'appuie sur la barre. Il se passe quoi? Elle s'ouvre? Ah bah. On... je laisse la porte s'ouvrir, je m'assois par terre, je fais écoutez, bah moi je vous attends ici. Non, je reste debout et puis bah je les regarde d'un air hébété, genre. On y va. Tu perds un point de stress, Enzo. ça c'est gratuit quoi. Donc du coup, qu'est-ce si je me souviens bien, il fait tout noir dans la pièce. Hein. Noir, noir. Il fait noir. Mais là, c'est ce que tu vois depuis la fenêtre. Ouais, et quand du coup, et si on ouvre la porte doucement pour éviter une clé mort éventuelle. Il n'a pas déjà ouvert. Il n'a pas ouvert. Il a juste appuyé, il a vu que ça s'ouvrait. Donc putain, du coup, tu m'as coupé pendant que tu faisais le bruit de porte ouverte, quoi, terrible. Donc moi, j'ouvre la porte, mais vraiment tout doucement. Et je regarde s'il n'y a pas un fil qui passe ou un truc. Fais-moi un test d'explosif. En technique. Moi, je cours. Pas du tout. Tu es assis à côté, toi, tu fais gaffe. Moi, je suis assis, je suis comme ça. Quel est le sens de la vie? Fashion design. What the fuck? Calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il a lancé 4D, au secours. A priori, tu ne vois pas de fil explosif, tu ne vois pas de mécanisme d'explosion. Et en même temps, tu te dis, c'est vrai que ce serait con de mettre un explosif dans leur base. Parce que ça a l'air d'être leur base. Ouais, mais ils savent qu'on les suit. Ouais. Et ils vous ont conduit jusqu'ici. Bah du coup, j'ouvre. Ok. Quand ça tu ouvres, traquenard. Les autres, vous voyez tous, une énorme salle. Les quelques lumières que vous avez vous indiquent une énorme salle. Vous voyez, en fait, ça ressemble à une espèce d'énorme entrepôt où il y a de nombreuses caisses de différents logos et ça a l'air d'être sur plusieurs étages. Ça a l'air ça d'être semble... sur plusieurs étages. Merci beaucoup, Romain. Merci pire, beaucoup, quoi. Mec. Je veux, tu veux se faire full pognon. Bon, les gars. Moi, je me relève et je me mets en fin de file. On a toujours donc Chevignon et le blessé avec nous, du coup. Oui, vous êtes là, ouais, vous êtes là. Vous entrez ? Il y a une rampe. C'est une rampe qui va vers le bas et qui vous amène un peu plus en profondeur. Est-ce que j'estime que si je lance ma torche, on verra un peu mieux ce qui nous attend en bas ou pas du tout ? Tu veux faire un test d'intelligence pour savoir si c'est bien de lancer ta torche ou pas ? Ouais, ce serait une test de perception de l'espace, je sais pas trop. Ah, dis-moi est-ce si tu lances ta torche. Il y a toujours des traces de sang aussi. Ouais, bien sûr, des traces de sang, ouais. Tu vois même un peu de sang sur la porte. Ouais, elle descend. Ok. Ouais, j'aimerais bien comprendre un peu mieux d'ailleurs, si tu peux estimer en fait la pièce pour voir si ça sert à quelque chose. Là, si tu lances la torche, elle va éclairer une partie de la pièce. Mais tu sais qu'avec les lampes torches que vous avez vues, ça va pas éclairer toute la pièce. C'est grand, hein, c'est vachement grand. Par contre, ce que tu remarques, à force de regarder un peu partout, c'est que le sang, il y en a de plus en plus et tu vois des pieds. Le mec saigne beaucoup plus, les gars. Je vais garder ma torche, du coup, si ça sert pas à grand chose. Non, je pense qu'on peut avancer. On laisse champignon devant. Des pieds, genre un cadavre, ou des pieds, genre quelqu'un debout? Les pieds ne sont pas en train de tenir sur le sol. Tu vois que le mec, en fait, il a l'air de s'être vidé de son sang. Il est tombé. Il est évanoui en train de se vider de son sang. Donc, c'est le gars qu'on suivait, quoi. Exact. Ah, le gars que vous suivez apparemment. Et celui qui, bah, okay. Apparemment, d'après la description, il a un bras en moins et celui-là a un bras en moins. Donc normalement, c'est lui. Ok. Voilà, finalement, ma balle n'aura pas été inutile. Je me mets mal arrière. Vous faites ce que vous voulez, je me mets mal arrière. Moi, je prends son pouls. Fais-moi un test. Tu rentres dans la pièce. Tu rentres dans la pièce, du coup. Parce que là vous avez avancé. Là, si t'es sur lui, t'es à 15-20 mètres derrière la porte. Hein, devant la porte, pardon. Ah, bah, j'avance vers lui en tout cas. Ok, t'avances vers lui.
J'avance vers lui et de manière prudente, bien entendu, en étant à l'affût, et j'avance vers lui pour vérifier s'il vit toujours ou s'il est mort. Quand tu t'abaisses pour vérifier si la vie l'a quitté, vous entendez tous clom, 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 des lampes qui s'allument. Le plafond s'illumine. De nombreux projecteurs s'allument et vous éclairent. Et vous entendez ainsi la GPA vient affronter colère. Venez à moi. Je vais m'occuper de vous, bande de petites merdes. Et là, au-dessus de vous, sur une passerelle, apparaît un homme plutôt grand, peut-être même aussi grand que Amaon et aussi costaud qu'Amaon. Une grande barbe blanche et deux armes dans ses bras. Il les tient en l'air, vous vise, les relève et tire sur deux des projecteurs afin de vous replonger dans le noir. Ha ha ha! C'est à moi que reviendra l'honneur de goûter votre sang! Qu'est-ce que vous faites? Alors moi déjà, là, je me prends une balle dans le pied. Je sens que les effets de mon truc, ça fonctionne plus. Je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol. Mon mec s'énerve. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il va utiliser intimidation et... Bah tiens, je commence à gueuler, il fait... Espèce de connard, porte tes couilles et descends ici qu'on t'arrache l'anus. Tu veux l'intimider? Ouais. Fais-moi un test de sang-froid. Et fais-moi une scène roleplay. Avant de faire ton lancer de dé, vas-y, dis-moi exactement ce que tu lui dis dans ton plus beau roleplay. Dans mon plus beau roleplay? Je peux pas gueuler. Hein. Je peux pas gueuler, 23h42, je vais essayer de... Ok. Espèce d'enculé, descends ici que je t'arrache tes oreilles, espèce d'enfoiré, tu te crois beau toi là ouais avec tes deux armes peu. Descends connard, descends, viens ici, viens devant moi, viens qu'on se la mette, viens qu'on se la mette. Il est encore craqué. Lance ton dé. Salut, s'il a pris ses pilules. Attends. Ah, je sais pas, je suis pas docteur. Ouais, non plus, mais je l'ai pas fait. Les trois derrière. Je regarde si j'ai pas des trucs en plus parce que je t'avoue que j'ai raté pas mal de bonus auparavant. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant qu'il y a lui qui est en train de crier? Je tiens la tête. Oh là là. Du coup, moi, il a une vue directe sur moi ou pas? Ouais, bien sûr, il vous voit tous les quatre. Vous êtes au milieu et il vous a vu et il vient de péter. Non, nous on est pas au milieu, hein, il est rentré tout seul dans la pièce. Hein. Non, vous êtes rentré. Non, on est tous rentrés, on l'a suivi. Non, on est pas rentré. Attends. Mick, hein. Tu es. Ah, dans la pièce ou tu es à l'extérieur de la pièce? Alors moi j'ai avancé dans la pièce mais je suis à côté de la porte, tu vois, je suis de l'autre côté. Ouais. T'es dans la pièce mais à côté de la porte. Voilà. Ok, ouais, la porte est fermée. Au milieu, ouais. Elle s'est fermée comme ça derrière moi? Ouais. C'est un script, merde, c'est une porte en scriptorium, putain. Et du coup, moi je suis arrivé à côté du mec couché. Ouais, toi t'es le plus proche de lui en fait. Ok, est-ce que je vois qu'il est vivant, est-ce que je vois qu'il est mort? Est-ce que genre je le regarde? Il a un pouls très faible mais tu sais que c'est pas... Ouais, ça, il est inconscient. Il est inconscient, c'est ça. Ok, je... Bah du coup je me relève. Et je recule mais... Je recule et je sors mon Colt, vu que c'est le Colt que j'avais. Ok. Darnat, tu fais quoi? Moi je switch d'arme, j'étais avec mon Winchester, je passe sur mon femelle. Ok. Vous êtes tous les deux en train de vous préparer à sortir vos armes pendant que Enzo et Colère s'échangent des grossièretés. Enzo, tu lui dis descends là, viens, sente tes morts. Il appuie sur la rambarde de fer, il la casse et te balance la rambarde de fer. Fais-moi un test d'esquive maintenant. Mouvement, esquive. Mouvement, esquive. Ok, roll. J'ai pas d'esquive, donc je perds 3 en fait, non? Tu perds 1, non, tu perds 1. Non, j'ai esquive, j'ai rien dit. Je mytho, donc c'est bon. Ok. Tu esquives de justesse la rambarde de fer. Et alors que tu l'esquives, tu sais, tu te retournes sur le côté pour esquiver. Waouh! Quand tu reviens te mettre pour le regarder, il n'est plus en haut. Il est face à toi. Alors, petit con, c'est qui maintenant? Et il te chope par le col.
Fais-moi un test de constitution pour voir si tu résistes à son emprise. J'ai peut-être un peu trop cherché la merde, je crois. Bah au moins il est près de nous. G-Max. Allez, essaye de faire plus que mon G-Max. Ok, 16 plus 5. Chien. Loupé. Oh fuck. J'ai pas ajouté mes caractéristiques. Tu essayes de te débattre, il te chope et il te met une patate. Et là tu sens que c'est pas son poing qui t'a tapé. Et que c'est quelque chose de métallique, quelque chose de très métallique. Mais ça, la musique n'est plus du tout d'action là, au secours. Hop, hop, hop. Et Yank, à ton avis, si je le divertis un petit peu, y a moyen que tu lui colles une petite balle ou deux? Ouais, je peux même vider mon chargeur si je veux. Ouais, attends, je vais prendre les devants là. Tu prends 6 points de dégâts, Enzo, et tu es éjecté et tu tombes au sol en te prenant un énorme coup de poing. Bah, viens là maintenant, relève-toi. À vous, c'est à... vous allez me faire maintenant. Du coup, il est derrière moi. Du coup, maintenant, il est derrière toi, ouais. Et tu l'as entendu sauter. Quand il a sauté, t'as entendu que c'était pas, c'est pas un humain qui vient de sauter, hein. C'était autre chose, c'était beaucoup plus lourd. Même Amaon n'arrive pas à faire autant de boucan quand il tombe. Vous voyez pas. Vous allez tous me faire maintenant un jet de mouvement pour l'initiative, ok? C'est important, on va noter votre initiative pour savoir dans quel ordre vous allez jouer, ok? Yep. On vient de faire un plan, là. Ouais, bah non, c'est votre initiative. Mais est-ce que on me remet un malus comme je suis au sol? Ou est-ce que je passe carrément un tour? Tu vas passer un tour. C'est où l'initiative? C'est mouvement plus un dé d'initiative lié au mouvement. MJ, juste pour être sûr, au combat précédent avec les deux malabar, je n'avais pas mon arme, j'imagine que je l'ai pas récupéré depuis. Si tu l'as récupéré, Hitlon. T'inquiète, c'est fait. Non. Ça, c'est top. Ouais, j'aurais pu te la mettre aussi, mais voilà. 9. Moi, hein. Bon, ça me dérange pas. 9, très bien. Alors, je vais l'écrire, je sais pas si je peux faire un texte ici. Est-ce que tu veux que je fasse quand même un jet de mouvement tant que je peux, et puis après, au prochain tour, décide de ma place. Fais-le, ouais. On fait un jet pour la totalité ou on fait un jet à chaque tour? Non, c'est pour tout le temps pendant le combat. Je vais faire un jet de mouvement du coup aussi. Même si je passe le tour 6, c'est pas grave. Les autres, mouvement? Moi c'est fait, moi j'ai 9. Ah, 8 et 9 8, 8 pour moi. Ok. Darnat aussi. En train d'écrire de ma plus belle plume. Darnat et Mick ont 9 et Zoran et Colère ont 8. Ok. Et Enzo a 6. Du coup, Mike, on peut faire notre plan du coup. Ok, donc on va commencer par Mick. Tu commences. Qu'est-ce que tu fais, Mick, alors que tu viens de voir ton copain Enzo se prendre une patate de forain? Et tu vois, moi. Je pars du principe que la meilleure intimidation, c'est la parole et rester concentré droit dans les yeux avec lui. Donc, je me pose et j'avance gentiment vers lui, tu vois, juste en marchant, juste en regardant. Et là, je lui parle gentiment. Écoute, mon grand, là, t'as tapé un petit mec qui s'occupe des enfants, tu vois. Il sert à rien. Viens te mesurer à quelqu'un, ok? Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est de la main nue. Alors oui, j'ai le tomahawk dans la main, c'est un peu con, mais ça paraissait plus stylé. Alors attends, je le range. Du coup, je range mon tomahawk et j'avance gentiment vers lui. Mais tu vois, pas pressé, tu vois. Et je continue à lui parler, je continue à lui expliquer que moi, quand j'étais jeune, j'en ai connu plein des comme lui. J'en ai connu plein, des mecs comme ça. Il m'intimide pas, franchement. En deux, je le découpe, tu vois, de la petite intimidation. Tranquille pendant que j'avance. Mick de 2m22, tu sais, près de coller. Fais-moi un jet de baratin, Mick, fais-moi un jet de baratin. Sans froid, empathie plus barata. Pardon. 7. Ok. Il avance vers toi. C'est pas un marchand par hasard. Non, c'est pas marchand. il va te marchander ses bras, tu vois. Il avance vers toi et il a l'air de t'écouter et il range une de ses deux armes pendant que tu ranges la deuxième. Et il fait: ah ouais? Tu veux te mêler à moi? Ok.
Et il avance vers toi. Ensuite, Darnat, à toi. Ah, comme notre ami Mike est bien parti pour faire la petite patate, moi, je profite de sa diversion pour me placer, pour lui mettre un bon shoot, Famas. Tu te places, mais tu tires pas, c'est ça, tu te places. Ah non, si, je vais tirer quand même. Ah ok, hein. Bah fais-moi un jet de fusil alors. Ok. Ok. Fais-moi des dégâts. Fais-moi jet de dégâts. Attends, c'était mon Famas. C'est 3d6, hein, c'est ça? Ouais. Oublie pas d'enlever la munition. Yes. Hop. Ok. Tu lui tires une cartouche de 5,56 qui vient s'écraser sur son torse. Et là, vous avez tous compris. Vous entendez non pas un bruit de chair, mais vous entendez un bruit de métal. Ça vient s'exploser, vous entendez un chouing et des étincelles. Un morceau de tissu qui recouvre son immense corps s'arrache et vous voyez une espèce d'armature métallique greffée à son corps. Ah ouais, ça veut jouer le 1v1, mais ça respecte pas les règles. À mon tour. Il essaye de t'attraper, Amaro, pardon. Il essaye de t'attraper à ton tour et il va te mettre la même chose qu'à Enzo. Test de constitution. Je me suis en courant. Non, je suis pas encore d'accord avec lui. Hein. Ah, il est à côté de toi. Hein. Ah bon? Putain, t'as mis trop de temps. Alors attends, constitution, t'inquiète. Constitution, ouais. Je regarde si j'ai pas des bonus, hein, bien évidemment. Ok, slash. Mêlée, ouais. C'est mêlée, hein, c'est mêlée. Hein? C'est mêlée. C'est mêlée. C'est de la mêlée, ça. C'est la constitution où je roll. Constitution, mêlée, ouais. Si t'as de la mêlée, tu... Ah oui, si j'ai de la mêlée, ouais, non, j'en ai pas. T'en as pas? Ok, non, non. il t'attrape à ton tour, sauf que toi, du coup, t'as voulu partir en courant. Il t'attrape par le dos et il te met un gros coup sur la nuque. Il te met un gros coup sur la nuque, il essaie de t'assommer. Sur la nucléaire. Waouh. Il s'est jeté sur moi, tu sais. Et c'est combien au-dessus? 1 des 10 plus 2. Ok. S'il fait plus de 7 points de dégâts, il t'assomme. Aïe aïe aïe. Ok, il te met 4 points de dégâts. Il te frappe dans le dos. Tu peux pas mettre l'armure parce que là il te frappe dans le dos. Tu prends les 4 points de dégâts. Bah. Et du coup t'es un peu tressaillé. Malgré ta taille, malgré ton poids, tu sens qu'il a de la force, hein. Tu sens que c'est un truc énorme qui t'a mis. Les gars, je me sens pas bien. Ok, autour de Zoran. Zoran, tu vois que il vient de se prendre un coup de 5,56 et il est encore debout. Et il a pris Mick, qui est énorme, et qui l'a fait tressaillir. Et il a envoyé Enzo, qui est un peu moins énorme, qui a volé. C'est à ton tour, Zoran, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, comme il m'ignore totalement, vu que moi je suis à côté du cadavre hein, maintenant, tu m'as dit que c'était sur plusieurs étages, l'entrepôt. Ouais, il y a un étage au-dessus qui est accessible. Enfin, pas pour toi du coup, vu qu'il a pété les escaliers, mais c'est une espèce de passerelle là où il était. Ok, bah j'essaie de prendre de la distance et éventuellement un peu d'auteur, comme je peux, avec ma compétence fuite. Tu veux fuir, tu fuis. Ma compétence. Non, je fuis pas, mais avec ma compétence se cacher, semer. J'essaie du coup de me cacher pour me positionner pour lui mettre une petite, okay, une petite balle de 7 entre les yeux. Ok, bah du coup tu devras d'abord te cacher et ensuite tirer, d'accord? Ouais, bien sûr. Fais-moi un test sûr, de se cacher sommet pour voir s'il t'oublie. Du coup là, on vient de voir le teammate qui, dans les squads, quand vous faites tirer dessus... Ok les gars, fuyez. ça me rappelle quelqu'un ça, attends. Ah, ça me rappelle un viewer ça. ouais, moi aussi. Bref. Tu devrais connaître Tomike, non? Ah ouais. Ok, du coup, je fais 10. Tu gères complètement, et là en une seconde, deux secondes, pouc, on t'a perdu. On sait pas où t'es. C'est genre comme dans les vidéos, c'est genre tu vois le mec, tu tournes la tête, tu vois, et puis t'as les petits pointillés autour de la personne. Oui, il est là, pouc, il a disparu. Il a disparu. Mais du coup, je me cache, mais toujours en ayant une visu sur lui. Hein, c'est pour là, tu auras un net avantage à ton prochain shoot vu que tu t'es bien caché. Il sera obligé de prendre ton shoot en fait. Ok. Oh, autour de Enzo, bon. Relève-toi. Ah, je me. Oh, putain, le con. T'es pas bien, hein. Je crois que t'es pas bien. Hein. Je passe mon tour. Je suis cautionné, je suis comme ça.
En vrai, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je me rejette sur lui. Ah ouais? Ouais, à ma vie. Fais-moi, bah du coup tu lui fonces dessus. Fais-moi un jet. Technique d'art de... Art Manu, art de combat. Hein. Art Manu, vas-y, art de combat, ouais, Manu. Vas-y. Je suis prêt à lui casser la main et tout. Quel homme. Il a une balle dans la jambe et il a pris un coup dans la bouche. Il se relève. Attends, vas-y. Oui, je veux me faire, viens là. Allez, vas-y. Ouais, mais c'est le seul truc sur lequel j'ai plein de points. J'ai plus 2 et j'ai encore plus 1. Allez, go. Donc ça fait plus 3. Donc ça fait 10, 6. Donc 1, 10, 6, plus 5, plus 3. Merde, j'ai oublié plus 3. Oh, ça fait. Attends, est-ce qu'il a pris. Non, là, il a pris uniquement le D. Donc attends, plus 5. Attends, plus y a 3, un problème là, parce que t'as fait un D6 plus 5 et t'as que 3. Le... T'es loupé, ouais, mais il a pas pris le plus 5. Donc là, tu rajoutes 3 et tu mets 8 en fait, à côté. Parce qu'il y a 5 plus 3. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Recommence. Ok. Fais le propre. Il veut que j'aie moins en fait. En fait, je vais mettre directement plus 8. Bah voilà, c'est cadeau pour moi. Voilà, c'est mieux, non? C'est mieux. Ouais. Mais tu lui fonces dessus, fais-moi ton jet de dégâts à main nue. Du coup, tu lui fonces dessus, tu vas voir, je vais te la rendre. Et tu essaies de lui remettre la même patate au visage. Ouais, vas-y, je mets un rôle de combien? Je lui mets combien de dégâts, putain? Un D28. C'est un D6 plus 2, je crois. Vu que t'as un avantage main lourde, je crois. La bagarre! Juste art de combat manu, c'est tout. T'as pas mal lourd pour tes avantages? Ok. Mais bon, de combat, art de combat manu plus 2. Ah, du coup, non, si t'as pas mal lourd, c'est un D6 alors. Tu lui mets un D6. Ouais, j'ai pas mal lourd. C'est moi que tu voulais mettre mal lourd. Ah, moi aussi, il a voulu me le mettre. Yes. À ne pas sortir de son contexte. Plus 4. Donc 4 points de dégâts. Donc tu lui mets 4 points de dégâts. Tu lui mets 4 points de dégâts dans le visage. Tu lui mets une patate, mais tu vois qu'en fait, quand tu le frappes. C'est pas son visage qui bouge, mais c'est ton bras qui recule. Attends, genre ça fait. Tac, ça fait. Comme ça? Ouais, t'as tapé, il est tellement dur que ça fait. Ah! Tu t'es fait mal au bras. Tu t'es pas fait de. Okay, tu t'es pas blessé, mais tu t'es fait. Tu sens que c'était dur. Tu sens que. J'ai tapé avec mon bras droit, donc c'est ça, mon bras. Ça a été dur. Mon bras ça gauche, a été dur. Parce que j'ai fait plus un point. Donc c'est mon bras gauche, cybernétique, il fait. Ah, c'est ton bras gauche, du coup, ton bras gauche en plus, il fait. Tu l'as tapé, mais tu sens que c'était très dur. On recommence. Mick, à ton tour. Tu te relèves. C'est à moi. Tu te relèves. Je me relève. J'en ai marre, je comprends pas là. Il m'a mis KO en 2 secondes. Je pense que c'est le genre de truc, tu vois, ça m'énerve un petit peu. Franchement. Il est colère. Ah merde, ça marche pas. C'est dommage, joli ça. Bravo Mickey, magnifique. Non, c'était bien tenté. Pour la prochaine fois, tu feras plein d'images détourées. Magnifique, vas-y. Là, je commence à m'énerver là, c'est pas normal, tu vois. Moi, on me respecte. Normalement, quand j'essaye d'exploser un mec, je veux l'exploser. Je vois Nuke, tu vois, il a une petite carrure et pourtant il le fonce dessus. Bah, je fais la même chose, tu vois. Moi, je pense qu'à deux, on est plus fort qu'un robot. Vous essayez de le mettre à terre à deux. En espérant que mon pote, effectivement, fasse le taf, on va synchro, en fait. Enzo, ça te dit pas on lui fonce dessus, là, on le tabasse. Et là, moi, je suis accroché. Vas-y. Ok, voilà, ok. Voilà. Je considère que vous allez faire, vu que je vous en ai pas parlé, je considère que vous allez faire une action combinée tous les deux. Donc, vous essayez de le mettre à terre? Yeah. Ouais. Ok, clairement. Vas-y. Mick, fais-moi un test de force pour le faire tomber, sachant que du coup, tu auras un avantage et que moi, de mon côté, je vais lancer aussi ma force. Je pars du principe qu'au moment où je le vois foncer sur colère... Je commence à partir en arrière pour le faire venir vers moi, pour qu'il tombe en gros. Limite qu'il tombe sur moi et que je prenne des dégâts, je m'en fous, mais qu'il tombe au sol quoi. Tu vas l'aider, non, tu seras pas blessé. Mick, tu fais 10, okay. Plus l'aide de Enzo, on va dire 12. Je dois faire un G. Je dois faire un G max, je crois. Sur le jet de constitution, le mec il doit être à 10. Il va pleurer. Il peut avoir un truc de 20. Ouais, non mais oui, j'ai ça en fait. Hop. Hop, je m'attends pire. Hop. Franchement, je m'attends pire. J'ai fait 11. Vous essayez de vous jeter sur lui. Ah non, mais non, du coup, ça passe. Avec Enzo, ça passe. Ah bah, il est 12. Ouais, 12, ça passe. Vous vous jetez tous les deux sur lui. Vous le mettez à terre. Lance-moi un des 10, Mickey. C'est les points de dégâts que tu vas lui mettre en le mettant à terre pour le maîtriser.
Mais pas de bonus, hein, d'accord. Pas de bonus, non, juste un des 10 de dégâts. Ok. Vous le mettez violemment à terre, vous le mettez très violemment à terre, vous l'entendez être touché, il crie de douleur et il essaye de se débattre, vous êtes tous les deux en train de le maintenir au sol. Qu'est-ce que tu fais, Darnat? Il y a une mêlée là, il y a un trio qui s'organise, tu peux sortir la caméra, ça peut être beau. Hein. Le problème c'est que, étant donné que je suis bon qu'à tirer, n'est-ce pas, je vais pas risquer de toucher mes camarades pour le coup. Ouais, n'oublie pas que j'ai un trou dans le pied. Hein. En plus. Y a-t-il moyen de prendre... la passerelle est en hauteur, hein, c'est ça? Ouais, mais tu peux pas la prendre. Tu peux pas la prendre. Oui, mais j'ai mon grappin. Ah oui, du coup tu peux la prendre. Ok, je vais utiliser mon grappin pour me mettre en hauteur, prendre mon Winchester et attendre une bonne fenêtre de tir. Ok. L'action va te prendre, ça va te coûter l'action de glisser sur la passerelle, mais du coup à la fin de cette action tu es au-dessus et tu vois du coup le trio en train de se mélanger. Et tu vois aussi, enfin non tu vois pas, mais tu sais que Zoran est quelque part caché dans la pièce. Ok. D'ailleurs, c'est au tour de colère d'essayer de se débattre. Donc je dois faire plus que 12 pour me débattre, pour m'en sortir. Hop. Oh, je fais 13. Il vous dégage. Il vous dégage et se relève et s'apprête à charger Mick. Pour sa prochaine action, il va charger Mick. Et vous êtes tous les deux au sol. Vous êtes tous les deux. Vous avez été choqués par sa puissance. Vous avez senti quelque chose qui a fait. C'était pas humain. Hein. C'était. Ça s'est dégagé. Il vous a retourné. Vous ne prenez pas de dégâts, mais vous êtes un peu sonné. C'est au tour de toi, Zoran. Qu'est-ce que tu fais alors que tu viens de voir tes copains voler, littéralement? Et du coup, vu que justement il les a fait voler, il s'est relevé. J'ai une vue parfaite sur sa tête. Je tire avec mon snipe. Fais-moi un jet de fusil. Et t'auras quand même un malus parce que t'es au snipe, mais t'es courte distance. Ok, fais-moi ton jet de dégâts. Doublé car coup critique, évidemment. Tu lui tires une munition qui vient s'écraser dans son ventre. Il se plie en deux. Vous voyez un peu de sang qui commence à couler de sa jambe. Mais je me relève et il tape sur sa douleur. Vous voyez à la Kylo Ren dans Star Wars 7. Et c'est à tout autour de Enzo qui est au sol, encore une fois. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux faire un mini mouvement tout en tirant? Enfin, en gros, j'ai d'abord reculé un petit peu. Genre, tu sais, comme là, comme tu dois te relever. Là, tu dois te relever, t'as été sonné. Hein. Ah, je t'ai sonné. Je voulais juste genre un petit peu pousser avec les pieds, tout en étant au sol, sortir mon pistolet, le viser et puis tirer assez proche quoi. Vas-y, essaye. Point blank. Essaye. Ok. Alors. Du coup, ce sont les réflexes. Je lance mon dé, petit roll. Est-ce que j'ai un bonus ou pas du tout? Je crois pas. Poignée alu avec mire lumineuse, est-ce que ça m'apporte un avantage au niveau de la visée? Non, il est immobile, non. Aucun? Okay. Non. Tu tires, pistole. Ok, je tire au pistole. Ok, fais-moi un jet de dégâts. T'es au close donc. Ouais. Ok. C'est juste le D6 dans ce cas? Ouais, bah les dégâts associés aux alarmes quoi. C'est 2d6 ouais. Je crois. 2d6 plus 1, effectivement. 2d6 plus 1 alors, vas-y. Un G max, t'as fait 13. Oh la vache. Ok, la balle vient, elle était sur, t'es sur son flanc, hein. elle s'écrase sur lui. Il met un genou au sol, il galère à respirer. Et là tu vois qu'il s'équipe de ses deux pistolets mitrailleurs et qu'il en a marre, il a plus envie de jouer au corps à corps. Il va, et vous entendez le... Il a chargé ses armes et tend ses bras vers vous. C'est au tour de Darnat. Armé de mon Winchester en hauteur, je vise sa nuque.
Il est face à toi. Ah ouais, t'es en haut. Oh, d'accord, ok. Vas-y, ouais, ouais. Fais-moi un shoot. Ouais. Fais-moi un shoot, dé de fusil. Tu lui mets une munition. La balle est parfaite. Ton fusil est positionné sur la balustrade, sur la barrière. T'es à 10 mètres de lui, donc la balle, elle y va. Tu tires, tu fais, c'est bon. Nos problèmes sont arrêtés. Et au moment où tu lui tires dessus, il y a une espèce de petit flash lumineux bleu qui apparaît. Et plus rien. Il est encore debout. Et ta munition ne semble jamais n'avoir existé. Replie, retire ta munition. Ouais, c'est à fait. Toi, Mick. Ben moi, faut que je me relève un peu, là. Il m'a encore sonné, l'enfoiré. Bon, Nuc, on a réussi... Enzo, on a réussi à l'avoir une fois, mais j'ai l'impression que la prochaine, ça passera pas. En plus de ça, il a pas l'air d'être très content avec ces deux armes-là. Moi, je te propose repli stratégique, et silencieusement, on fait rouler une petite grue à lui, là. Ouais, ça me tente bien. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ouais. Ouais. J'essaye de... Au plus silencieusement possible, tu vois, j'essaye de dégoupiller la grenade en gardant, bien entendu, la grenade goupillée dans la main, tu vois. Donc j'enlève la goupille, mais je la garde. Pas qu'elle me pète dans la main, hein. Voilà. Tu gardes la cuillère, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va essayer de reculer un petit peu pendant qu'il est absorbé par le tir de notre ami. Et je vais faire rouler la petite grenade gentiment chez lui. Ok. Tu fais rouler la grenade et tu t'en vas. Très bien. C'est le principe, ouais. C'est la RGD que tu lances ? Ouais, bah j'ai que ça, ouais. Ok, lance-moi 2d12. Je suis pas très très loin de lui, hein. Elle va péter avant que je puisse bouger. Ah, t'es pas très loin, non ? 20 ! La grenade explose à ses pieds, le réduisant à l'état de chair. Il a perdu un membre, deux membres. La grenade lui explose à ses pieds. Il est au sol. Génial. Il est mort. Tu as consommé ta grenade. Ouais, ça va. Cette grenade trouvée sur un corps. Mais alors que Colère tombe en morceaux, vous entendez derrière. Ils ont tué Colère ! Ils ont tué Colère ! Vengeance ! Et ça court dans tous les sens. Ça court, et là, ça y a court. Un mec qui s'appelle Vengeance qui arrive. Et vous entendez. Je suis Vengeance, le niveau 2. Vous entendez. Hey, hey. Non, c'est pas dans Big Bang Theory, pas du tout. Vous voyez au-dessus de l'entrepôt des grandes baies vitrées et il y a le docteur Azul qui vous tape sur la fenêtre. Hey, je suis là. Hey. Qu'est-ce que vous faites alors que le nid de frelon a été réveillé? Le nid de frelon, tu dis? Ouais. On est d'accord que la porte est toujours ouverte derrière nous. Non, c'est une porte en scénario, mais elle est fermée. Ah, j'en sais rien, moi, fallait vérifier. Si, tu m'as dit que la porte était fermée. Mais je t'ai juste dit qu'elle s'était fermée, c'est tout. Non, je t'ai demandé, elle est verrouillée, tu m'as dit oui. Non, je t'ai dit, elle est fermée. Ouais, mais c'était une porte à pression, donc on peut pas rouvrir en théorie de l'autre sens, sauf si une poignée, mais. Bien joué. Du coup, on est coincé. On peut vérifier. Qu'est-ce que vous faites? Défonce la porte. Ouais, pour le peu qu'il y avait encore des gens derrière. Moi je me lève, je recule. Ouais, ouais, ça se trouve, les gens qui étaient dehors, ils nous ont suivis, tu vois. Bah oui, c'est ça. Je crois pas trop. Hein. On sait comment monter au baie vitrée en haut là? Il y a un escalier métallique qui était caché derrière des caisses, maintenant que vous le voyez. En plus, Darnat a une visibilité sur tout l'ensemble de l'entrepôt et vous indique où aller pour monter sur la passerelle qui vous donnera accès à la salle où se trouve le docteur Azul derrière les baies vitrées. Let's go, hein. T'as dit quoi, Mickey? Je vais récupérer une de ces armes. Ok, tu récupères un pistolet mitrailleur. Je te dirai un peu plus tard ce que c'est. Chargeur en 9 mm, un chargeur de 30 munitions. Moi je sors de ma cachette du coup et je rejoins Darnat. Ok. Moi je suis tout seul près de la porte. C'est top. Donc vous restez à la porte. Donc Darnat est en haut, Zoran monte, Mick loot, ça m'étonne pas. Et Enzo le plus blessé est à côté de la porte où tout le monde va arriver, d'accord. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, dites-moi la suite de vos actions. Moi, MJ, juste une question. Est-ce que suite à mes blessures, je saigne quelque part? C'est pas vraiment. Le méchant coup à la gueule ou le fait que tu saignes de la bouche, t'as peut-être perdu une dent dans l'histoire.
J'avais déjà un œil ainsi. La joue gonflée, bah voilà. C'est... L'autre côté gonflé aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez looté. Vous avez. Le docteur Azul est derrière une porte qui est dans une salle, du coup. Vous allez chercher le docteur? Ouais, moi bien. Je vais vers le docteur, moi. Ok. Vous êtes. Écoute, moi, je... La mission avant tout. Je vois Darnaf sauter, je me dis ok, je le suis. Ok, ok, vous allez tous les trois vers le docteur alors. Vous allez tous lui ouvrir la porte. Bah, je vais avec eux, quoi. Ok, vous y allez tous. C'est une porte plutôt basique, hein. Elle était verrouillée de l'extérieur, vous pouvez la déverrouiller afin d'accéder au docteur. Quelqu'un accroché? Non. Ah non, vous pouvez la déverrouiller en fait, c'est... vous pouvez la déverrouiller. Ah, la déverrouiller. Pourquoi c'est toujours compliqué. La poignée tourne d'un côté mais pas de l'autre. Quand non, en fait, il y a une clé qui était. Enfin, il y avait une clé, elle a été verrouillée, mais la clé est encore sur la clinche, vous pouvez déverrouiller et ouvrir la porte. En fait, est-ce qu'on pourrait faire exploser la porte? Mais il y a la clé. Non, mais attends, je vais peut-être enfoncer la porte avec l'épaule. Il y a la clé. Est-ce qu'il n'y a pas de chemin pour passer? Mais il y a la clé. Attendez les gars, je vais voir derrière s'il n'y a pas vraiment une petite ventilation ou ça. Bah, désolé docteur Azul, on doit y aller. Mais y a... Vous pouvez déverrouiller la porte du coup, il n'y a pas de problème. Elle est juste verrouillée de l'extérieur. Je dois faire un jet de perception pour voir la clé. Défect, pas du tout. Bah du coup je fais oh, putain cassez-vous, je tourne la clé et puis je rentre, hein, merde. Je ouvre bien la porte en grande, c'est genre s'il y a une clé mort derrière ça pète. J'ouvre bien. Ah du coup fais-moi un G20 s'il te plaît. Non je plaisante. Non il y a pas de clé mort. Le docteur Azul vous dit ah vite il faut se barrer d'ici c'est des fous, ils sont complètement fous, il faut vite que je rentre à la NFA vite. Et vous voyez qu'il est tremblant. Et ouais où est Champignon? On l'a perdu depuis un moment, Champignon. Il est pas rentré avec vous dans la salle. Le petit bâtard. Il s'est fait scripter. Vas-y, c'est un traître, mais... Mais non, il est bah, parti. J'ai pris un coup de derrière. Alors, je pousse tout mon intérieur, je ferme la porte, je ferme ma clé. Attendez, faut que je vous explique un truc. J'ai pris un coup derrière la tête avant. Et ouais, et qui était derrière moi? Champignon. Mais non, il est parti chercher la voiture, c'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est pas mort quand on se faisait tirer dessus? Hein? 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 Ouais, bah, tu vas me dire parce que c'est l'euro principal? Mais non, mais non. Non, sérieusement, je rouvre la porte et puis je fais bon, allez, on y va. Je reprends le scientifique sur mes bras. Là, en gros, l'entrepôt, il y a cette salle, mais elle donne à rien d'autre que cette salle. Et il y a les doubles portes vertes. Ok, je peux faire un jet de perception et regarder genre vraiment tout autour de moi dans la pièce, voir s'il n'y a pas une ventilation. S'il n'y a pas un trou, ou même ne serait-ce que c'est un mur qui paraît un peu chelou, une armoire que je peux bouger. Vas-y, 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 vas-y. Je suis nul en perception, on sait jamais. En parallèle, je peux pas faire un test de perception, voir s'il n'y a pas un truc qui a l'air un peu plus cool que les autres à ouvrir, tu vois. Vas-y, vas-y, allez-y tous les deux. Vous entendez des gens, ça court dans tous les sens, ça résonne, et vous entendez des coups de feu. Perception sur l'intelligence, on est d'accord? Ouais. C'est rouge. C'est vert, c'est vert, c'est vert. Est-ce que vous voulez rire? On va rire. Attends, quoi, j'ai pas compris là. Ah oui. Non, c'est censé faire plus de moins 1. Yes, ça a l'air d'être. Ça fait 4. C'est une jolie salle, quoi. C'est une jolie salle. Mick, tu vois pas. Mick, tu vois pas d'accès où toi tu pourrais passer. Eh merde. Les bons plans, ça reste pour moi. Vous entendez des coups de feu qui viennent de l'extérieur et qui viennent des doubles portes vertes. Super. Bon, c'est LED, c'est ça. Moi j'aimerais juste savoir un truc, les gens là, les frelons, ils en sont où? Parce qu'on cherche quoi? Je peux pas être plus explicite que si vous entendez des coups de feu de l'autre côté des doubles portes. Ils viennent aux doubles portes vertes. Elles sont où les doubles portes vertes par rapport à là où on arrive? Là vous êtes à l'opposé, en gros vous imaginez, attendez je vais vous faire un dessin, regardez. Vous êtes prêts? Un magnifique dessin, je vais le faire en vert. Vous imaginez la salle, elle est comme ça, hop hop. Les doubles portes vertes elles sont ici, là, ici. La rampe ici, ok. Là, c'est là où il y a le cadavre du mec qui avait plus le bras. Ici, il y a Colère qui est décédé ici. On peut dire un morceau, hein, voilà, comme ça. Et vous êtes à l'étage. Vous êtes à l'étage, là, sur une espèce de... Et il y a des passerelles, en fait, qui sont ici, qui font la jonction comme ça. Hop. Hop. Il y a quoi au plafond? C'est fermé? Ouais, c'est fermé, c'est fermé. Il y a que des lampes, quoi. Il y a que des lampes au plafond. Et genre, vous, ici, là, vous êtes là, vous. Non, bah, là c'est les escaliers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ceux qui vous permettent d'accéder, et ça ici c'était pété. Comment j'efface?
Et du coup, le seul accès, c'est les portes vertes à la rampe, là où il y a des coups de feu. Là où on est venu. Ouais. Les gars, venez, on se cache dans une caisse. Alors, tu fais 2m22, et tu veux qu'on se casse dans une caisse. Il y a peut-être des grosses caisses, j'ai pas vu. Oui, dans une armoire, et tu replies en 4 comme ça. C'est ça, hop. Non, mais plus sérieusement, on voit rien. Si, il y a de la lumière, il y a de la lumière, hein. Il y a les projecteurs depuis tout à l'heure. Non, il y a des lumières allumées, là. Ah, il y a les projecteurs d'allumés. On voit aucune trace de sortie, quoi. Non, mais il y a que les doubles portes vertes. Alors, moi, ce que je propose. Il y en a un qui a persuasion forte. Waouh, tellement pas de RP là. Waouh. Oh, le RP s'est pris un coup de couteau dans la gueule. Non, mais c'est. Je te suride dans le RP, tu vois. En fait. Je te suride dans la douche. Je pourrais essayer de négocier éventuellement un peu avec eux. Je sais que de mon métier, j'ai déjà réussi. À négocier des bons prix, peut-être que je peux leur négocier une liberté contre quelque chose, quoi. Est-ce que je m'en profiterais pas pour dire on est les nouveaux colères. Tu vois, genre, on a tué le boss, on est le nouveau boss. Mais quatre. Je vais leur faire croire ça. Écoute, avec ma carrure, il y a peut-être moyen que je leur fasse penser que je l'ai tué à main nue. Attends, je vais tremper ma hache dans son sang, je leur fais croire que je l'ai explosé avec ma hache. Vous entendez voilà. Des cris, il y a quelqu'un crie de douleur. Putain, je suis blessé! Est-ce que c'est genre un putain je suis baissé, genre en mode wesh wesh, genre un peu tu vois genre ceux qui accompagnent Colère, ou c'est genre un plus tactique? C'est un tactique genre, Alpha Tango, Alpha Tango, un peu, un peu comme Chevignon ou le mec qui était derrière la porte verte. C'est Chevignon les gars. Ah bah voilà, putain bah alors. Eh, moi je prends le scientifique, je le jette, non c'est pareil, je descends avec des escaliers, je descends avec des escaliers, je fais oh, on se casse. Je commence à brûler la porte, en gros je fais le chemin de là jusque là, en cloche-pied évidemment parce que j'ai le pied avec la main qui est toujours accrochée, hein, on l'oublie pas cette main. Et je tambourine la pomme en disant on est là, on est là. Après, je récupère la tête de Colère. Quand tu tambourines la porte, la porte s'ouvre. Hey, ah, tu récupères la tête de Colère. Attends, j'ai buté attends, les gars. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre et vous voyez Chevignon et l'autre membre blessé derrière des barricades qu'ils ont déplacées et tenir une ligne et tirer dans le couloir d'où vous venez. Ouais, c'est un beau gars. Quel beau gosse, ce champignon. Vous avez retrouvé le docteur Azul ! Tout en relevant sa tête et en faisant des. Merde, mon accoudoir. Je me fais l'image en tête de l'accoudoir qui. Mon accoudoir vient de se suicider en direct, les gars, désolé. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah, moi je te l'ai dit, hein. Moi, tu rien, prends la tête de colère, Mickey, c'est ça ? Ouais, je prends la tête de colère en espérant. Pouvoir elle discuter est... un peu avec eux. Elle est vachement lourde. Tu mets un nouvel item dans ton inventaire, maintenant c'est la tête de colère. Si, tu peux la prendre, mais elle est lourde. Hein. T'as la tête de colère attachée à ta ceinture. Voilà, t'es un peu le nouveau Gérald de Rive, quoi. J'ai mis, bien entendu, comment ça s'appelle ? Ma hache, hein. Il y a un peu de sang dessus, ok ? Ok. Du coup, comme on repasse devant le cadavre, moi je vais me la jouer à la mic et je vais le looter. Ok. En espérant trouver éventuellement une grenade. Quand tu lootes, hein. Lance-moi un D4. Lance-moi un D4. Ah, les looters, quoi. Ouais, ok. M'en fous, je suis passé avant lui. Lance-moi un D10. Tu trouves un billet écrit, Mick est passé par là. Tu trouves 30€. Oh, alors, Mickey, on sait pas le chercher. Ah, j'ai passé en premier, j'ai pas dit que j'avais tout fouillé, quoi. Moi, j'ai récupéré une arme, les gars, fallait bien se défendre un peu. Ah ouais, c'est pas faux. Ok. Moi, vous faites quoi là ? Chevignon et l'autre sont en train de se faire défoncer. Ils crient on aura besoin d'un coup de main maintenant ! Et le docteur Azul commence à avancer vers eux. On est d'accord qu'on peut pas passer parce que ça, c'est barricadé. En fait, c'est barricadé de haut en bas ou c'est genre à une certaine. Non, c'est des barricades au niveau du torse et puis ils tirent, ils se mettent à couvert et ils échangent des coups de feu. En fait, ils se sont Je pensais que ça avait barricadé toute la porte et qu'on pouvait pas rentrer ni sortir en non, fait. La porte elle est ouverte, mais c'est en fait dans le couloir qu'ils ont mis des barricades pour tenir la zone. Ok. Ah bah du coup, j'abaisse la tête du scientifique, je le fous derrière la barricade, je sors mon pistolet et je suis là, pam. Je fais pareil, je tire. Je pense qu'on est tous champignons. Ok, vous appuyez tous champignons du coup. Et champignons du coup, chevignons. même les MJ du champignon. Je commence à galérer. Ouais, on a gagné.
Ok, et donc Yami qui se promène avec une tête humaine. Ok, c'est pas de problème, c'est pas de problème. Vous commencez, je ne vous fais pas de jet de tir, vous vous battez contre 1, 2, 3 hommes, c'est dans un couloir, vous choisissez chacun à votre tour votre cible. Vous commencez à avancer, vous éloignez de plus en plus de la zone de colère, et au bout de quelques morts, il commence à reculer, il recule en face de vous, et vous entendez derrière. Derrière, devant, des gens crient: Ah, oh, il y en a plus! Barrez-vous! Barrez-vous! Alors que vous êtes en train de vous battre, la plupart du gang de colère abandonnent le combat et disparaissent dans les tréfonds des métros. Au bout de quelques minutes, vous entendez juste les échos de leurs pas qui s'en vont et vous entendez des pas se rapprocher. D'autres pas se rapprocher. Il y en a marre, les gars. Y a des, pas, des pas tactiques ou des pas lambda? Tactique. Enfin, genre, bah, c'est le. Okay. C'est l'aide. Moi, juste. Soit c'est la GPA ou la NFEF, soit c'est une autre corpo. Quoi. Ouais, c'est ça, je pense à une autre corpo. Par contre, bon, j'ai une question. On a ferraillé, etc., mais on a utilisé combien de munitions au total? Lorsqu'on ferraille. Oui. Lancez-moi un D10. Voilà, vous ferraillez un pour D10. Pour le soutien, etc. On a utilisé combien de cartouches? Un D10 pour les fusils. Vous m'entendez ou pas? MJ, t'es mute. Ah merde. Un D10 pour les fusils d'assaut, un D4 pour les fusils sniper. Et un D6 pour les pistolets. Pour les pistes. Ah. Moi j'en ai un SMG, moi. Ah bah SMG, un D6 aussi, vas-y. J'ai tiré deux fois alors. J'ai fait deux. Ou j'ai utilisé deux munitions. T'as tiré deux munitions seulement, tu retires que deux munitions, pas tiré deux fois. Voilà. C'est bon pour moi. Bon pour moi. Moi okay, je pré-shot déjà le rechargement. Parce que comme il reste plus qu'une seule balle dans la chambre, je retire le chargeur vide, je remets mon nouveau chargeur. Ok. Alors que donc vous entendez des pas s'approcher, vous voyez au bout de quelques instants. Code GPA, code. Il y a un échange, qui se fait entre Chevignon et des hommes, et ce sont bel et bien des hommes de la GPA qui viennent d'arriver et qui viennent appuyer votre sortie, votre extraction. On vous a retrouvé, on a entendu un appel radio du chauffeur peu de temps avant de perdre le contact. On est venu de Dust City pour vous appuyer. Et donc. Vous êtes accompagné par une poignée d'hommes de la GPA ultra armée, bien plus que ce que vous avez vu pour l'instant. Vous avez même vu, ça vous en aviez jamais trop vu, mais vous avez vu ce qu'on appelle un PA. Un PA, c'est une unité blindée, un soldat en armure assistée, qui est armé jusqu'aux dents avec une arme lourde. Et il est venu jusqu'à vous pour déblayer le chemin. Vous faites le chemin inverse. Joli Mickey, vous faites le chemin inverse pour repartir vers la surface et il y a des dizaines et des dizaines de cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants. SF Enzo. Et vous montez, il n'y a aucun corps de la GPA. Attends, tu m'as demandé de faire un sang-froid? Ouais. Oui, il y a des enfants qui sont à terre. Ouais, ça va chier là par contre. Je peux pas le faire et m'énerver. Non, tu dois faire un test de sang-froid. Et vous remontez, vous arrivez à la surface et c'est un paysage encore plus chaotique que d'habitude car il y a un second PA et une dizaine d'hommes autour de vous. On est d'accord que c'est par rapport à des enfants. Oui, oui, oui. Ok. Plus 5 uniquement et pas plus 6 parce que j'ai le moins 1. Mick, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Intelligence, perception. Intelligence. Pendant ce temps, Zoran et Darnat, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez? Bah écoute, je le vis bien, je check mon arme. Tout va bien, on essaye. Moi, je recharge mon snipe, j'en profite, comme on est plutôt safe. Et je le vis bien aussi. Ok. Je suis rassuré de voir les renforts arriver, la NFEF.
J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec eux, donc je suis cool. Ok. Enzo, tu perds 2 points de stress. Je le vis très mal. Et t'es plutôt stressé là, t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Mick, tu remarques que tu as pris un fragment de la grenade. Ton pantalon est imbibé de sang. Tu saignes. Aïe. Tu saignes énormément. Lance-moi un des 12. Plus 2. Genre depuis quand les RGD ça fait des fragments si loin dans ta recorde, à mort. Pas. Toi, tu prends 10. 10 points de dégâts et tu ne peux pas mettre l'armure. Tu as une blessure et tu saignes. Bah, je me soigne. Ça a l'air violent. Tu peux pas te soigner là, elle est dans ton dos. Hein. T'es incapable de te soigner tout seul là. Tu veux dire la jambe? Non, au dos. Je t'ai dit ça saigne à ta jambe. T'as ton pantalon imbibé de sang, mais ta blessure elle est dans ton dos. Aïe. Ah, le RP. Le RP aïe. Hein. Va falloir qu'on en parle de ce RP aïe. Aïe. Voilà, là. Vous arrivez à la surface donc et vous êtes escorté par des hommes. Eh les gars, je suis pas bien. Attends, tu dans les pommes. Tu m'as dit que je vois des gosses morts quand même. Ouais. Je pète une zine, je peux pas. Allez, je vas-y. Allez, allez. Ok, comment est-ce que je peux faire ça? Mon perso va juste en fait se laisser tomber sur les genoux. Et un peu comme le regard vide, juste c'est genre what the fuck. Tu vois, genre un peu. Et alors puis... que Mick est aussi sur les genoux vu qu'il est blessé, il y a aussi Enzo qui est sur les genoux vu qu'il est blessé, et Zoran et Darnat vont bien et prennent leur ticket dans le bus afin d'aller à leur prochaine station de métro. T'es pris en charge, Mick, t'es pris en charge par un homme qui va essayer de te soigner. Plus sérieusement, Sky, est-ce que je peux voir quelqu'un qui pourrait faire office de haut gradé parmi ceux qui sont arrivés? Le haut gradé, il y a le sergent Chevignon et il y a le PA, il y a l'un des PA. Ça a l'air d'être un haut gradé vu qu'il a l'air de donner des ordres. Ok. Dans une folie, enfin vraiment, je me relève, je jette le scientifique qui était toujours près de moi. Je me dirige, mais genre championnat de l'euro au pied, j'y vais à pam. Pardon, j'y vais à pas sérieux, je me dirige vers le PA et à la limite j'essaie de le choper comme je peux en disant « C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces gamins qui sont morts? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule ?» Et j'essaie de tomber avec moi, vraiment de le secouer et de l'engueuler quoi, comme je peux. Pour. Tu es blessé, tu es fatigué et tu essaies de secouer un homme en armure intégrée. Ouais. Et il se retourne sur toi alors que tu essaies de le choper et il pose sa main en métal sur ton cou et tu sens quelque chose pénétrer ton cou. Et alors que t'es en train de crier « C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous avez fait ça ?» Et tu t'endors. Yes. Bah la bonne ambiance en tout cas. On s'occupe de Mickey ou pas? Ouais. Non, bah là il a perdu 20 PV déjà. Je veux dire, il a demandé à l'aide. Il a demandé à l'aide, quelqu'un est en train de s'en occuper. Ok. Ça va alors. C'est que tout va bien. Et vous êtes... Du coup, nous, on assiste à la scène où on voit Enzo dormir. Ouais, Enzo vient de se faire plaquer. Enfin, il s'est fait. Il est. En fait, vous comprenez pas trop. Il est venu secouer le PA, et il est tombé au sol. Ouais, il nous a juste fait un malaise vagal, quoi. Ouais, il a fait un malaise, sans doute un malaise. Bon, voilà, c'est que tout va bien. Ouais, c'est que ça va. C'est terminé. Ils font le transfert des dernières choses qui restaient dans le bus. Il restait pas grand-chose. Vous voyez que le bus et les véhicules ont été désossés. Ils ont été désossés. Même les corps des soldats de la GPA ont été. Il n'y a plus d'eau non plus. Il reste plus que des flaques de sang. Ils ont été pris aussi, les corps. Vous êtes amenés dans les bus. Par les bizarres. Hein. Par les chelous de colère. Bah, on ne sait pas. C'est ce que je vous dis en fait. Ah, pas... Vous, tu ne sais pas. Soit, ce que je te dis, c'est juste que le corps n'est plus là. Ouais, mais je veux dire, on le voit parce qu'il y a des véhicules de la NFF, du coup, de la GPA. Ah, il y a des véhicules de la NFF, ouais. Mais du coup, on sait voir si y a du matériel dedans ou si pas, non? Pas vraiment, tu sais pas trop. D'accord. Vous êtes conduit, vous êtes ramené à la NFF. Est-ce que vous faites quelque chose? Mick, tu te réveilles de tes blessures. Enzo aussi. Vous êtes dans le convoi, de la GPA qui vous ramène sur le chemin. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez? Chacun à votre tour, par ordre de gauche à droite, Darnat, Zoran, Enzo, Amaon. Comment vous sentez-vous? Vous avez été traité pour vos soins, mais vous êtes toujours blessé.
Écoute, la mission a été un franc succès. Je m'occupe de mon arme, je la nettoie, je recharge mon petit chargeur et tout va bien. Tout roule. Moi, j'ai une question. Est-ce que le Chevignon, il est avec nous ou il est dans un autre véhicule? Il est avec vous. Il est blessé avec le collègue que Amaon a sauvé tout à l'heure. Ils sont blessés tous les deux. Il est avec nous? Moi, je demande à Chevignon comment ça se fait qu'il n'est pas rentré avec nous avec colère. Pourquoi il est resté dehors? Parce qu'au mais moment... genre plus en mode tactique quoi. Donc qu'est-ce qui a fait qu'il est resté dehors? Parce que pas en l'agressant. J'étais en train d'installer mon collègue pour ne pas qu'il vienne dans cette salle et qu'il garde l'arrière. Et au moment où vous êtes entré, la porte s'est verrouillée, elle s'est fermée et des hommes sont arrivés et on a commencé à se défendre. Et quelques minutes après, vous en êtes sorti. Donc bah, pour moi ça se tient. Donc tactiquement parlant, je garde en tête ce que Enzo a dit vite fait dans la pièce en disant que je me suis fait taper par derrière et qui était derrière, mais je laisse un peu couler parce que ça se tient ce qu'il vient de me dire. Donc je suis bien, tranquille. Enzo. Moi je me réveille difficilement, tu sais, un peu sonné évidemment. Parce qu'on est, on est où? Je regarde chez Mignon. On est où? Parce qu'on est. On est dans le bus. On vient de sortir du métro. On est avec le docteur Azul. Beaucoup de blessés, quelques morts, mais vous êtes en vie. Et puis bah, je recommence mon speech, je l'attrape, mais cette fois-ci plus doucement, je fais « Ces gamins, pourquoi ? Si on était partis, si on avait laissé tes hommes, ils seraient pas tous morts. Ils seraient pas tous morts. Notre scientifique là, il serait en vie. Il serait en vie comme il l'est maintenant, mais ces gamins aussi. » Et je secoue comme ça, limite c'est plein d'or malheux, tu vois. Enzo, je sais pas si t'es nouveau, mais t'es mort, t'en verras encore demain. T'en verras encore après-demain. Des enfants, et des femmes. Gosses. Ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé, mais ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tu trouves ça logique, toi? Je trouve pas ça logique. Et je préfère que ce soit eux que moi. Moi, je lui mets une grosse tarte. Tu peux pas. T'es pas en état de mettre une claque. Tu veux le faire quand même? Alors non, je fais juste poc. Je laisse ma tête tomber sur lui, c'est genre toc. Amaon, pardon. Hey champignon, t'as vu, on n'est pas des rigolos nous. Y'a qu'il esquisse un sourire. Il esquisse un sourire. Première fois qu'il sourit à l'une de tes vannes. Hey. Le mec, il a vachera peut-être dans le dos. Il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une blague. Ouais, mais t'as dit où on était, c'était ma question aussi. Où est-ce qu'on est? Mais tu l'as dit, du coup j'ai entendu. Du coup, si on est dans le bus, on est sorti. Là, c'est qu'on a réussi. Eh, il loue l'argent. Vous verrez quand vous y serez. On va où? On rentre à la maison. Le convoi prend du coup la route. Vous en avez pour quelques heures pour rentrer à la GPA, à la NFEF. Vous revoyez les grandes murailles de la NFEF. Le docteur Azul est en bon état. Il est choqué. Il est très choqué. Vous vous doutez qu'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé entre le moment où il a été enlevé et le moment où vous l'avez retrouvé. Vous arrivez dans l'un des complexes de la GPA. Vous êtes tout de suite, pour ceux qui sont blessés, pris en charge et mis dans des lits d'hôpital. Vous êtes traité pendant plusieurs jours si besoin, notamment Enzo et Amaon, pour retirer les munitions et autres stuff dans vos corps, littéralement stuff dans vos corps. Deux jours passent après cet événement et vous vous retrouvez du coup la même dame qui vous avait donné la mission. Oh, cette connasse. Vous vous retrouvez à l'hôpital sur le lit d'Enzo. T'es toujours malade. Vous avez tous récupéré la moitié de vos PV. J'ai pris que 2 points de dégâts moi. La moitié de vos PV est perdue, vous récupérez, pardon. La moitié des PV perdus est récupérée. Ouais. J'en ai perdu qu'un, donc je récupère. Tu récupères ton PV, tu récupères ton PV. Ouais. Du coup, je suis plus ou moins en forme. Vous êtes plus ou moins en forme. Je me repose et cette dame vient vers moi.
Viens vers nous, bah, on vers tous là. Vous êtes tous là, ah, vous avez été réunis là. Vous avez été réunis. On est à ton chevet là-haut. Je suis là comme ça, couché sur mon lit avec ma petite couverture. Attends. Donc on va pouvoir parler de floute. T'as froid, ouais, tu veux que je te borde? On va pouvoir, c'est genre, je suis là comme ça, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes donc tous les quatre réunis, en forme, et cette dame arrive. Très bien, veuillez tous les quatre appuyer sur cette tablette pour confirmer que la mission a bien été faite et que nous procédons au paiement. Paiement? Attendez, paiement de combien? Payé? On part en dessous contrat la con là. Vous êtes payé. Il y a quand même eu des risques là, hein? Pour ce contrat était évalué à 2000 euros dollars pour l'escorte. L'escorte a été faite. Il y avait 1000 euros dollars de bonus si vous réussissiez à conserver tout l'attirail du docteur Azul. Malheureusement, il a été volé. Vous avez donc remporté 2000 euros dollars. Appuyez sur cette tablette avec votre pouce afin de valider le paiement et vous recevrez du coup 2000 euros dollars. Et la compensation de nos munitions perdues aussi, non? Ouais, bien. Les rations, les bandages, le soin qu'on a établi sur vos différents personnages. Je vous rappelle quand même que vous aviez 3 membres qu'on a dû soigner, même si vous en avez récupéré que 2, c'est pas forcément que de notre faute. Et à un moment ou un autre, on n'est pas là pour laisser vos hommes survivre, mais on le fait quand même. On aimerait bien récupérer quelque chose en échange quand Fais-moi même. Fais-moi un jet de baratin. Yes, c'est une vendeuse ou pas? C'est pas une. C'est une... Là, là c'est du commerce là. Hein. Je t'accorde que c'est une personne de la GPA, mais pas une vendeuse. Mais c'est une personne de la GPA. Vas-y. T'as plus 2. Ça veut dire quoi ça? Vas-y, go, go, go. Okay, t'as l'atout, t'as l'atout. Ouais, mais attends, je cherche qu'est-ce que je dois lancer. C'est technique. C'est. Empathie. Empathie plus baratin plus ton bonus. Voilà. Bah voilà. Ouh, 12, j'ai max, très bien. Ok, très bien, très bien. Je vais revoir avec le plus haut, mais que diriez-vous de 500 euros dollars en plus pour vous quatre? Attendez, ça me va. Non, excusez-moi. C'est 2500 par personne, c'est bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Donc 2000 chacun plus 500 divisé par 4. Arrêtez de me couper, c'est donc 2000 euros dollars pour vous 4, ok. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait donc 500 euros dollars pour chacun d'entre vous. Et on va pas s'embêter. Donc on est à 1000 chacun. Disons okay. 800 euros dollars en plus parce que vous m'avez l'air d'avoir utilisé beaucoup de vos équipements et que bon c'est pas trop grave. Vous aurez donc 700 euros dollars chacun. Est-ce qu'on peut monter à 800 pour prise de conscience humaine hein. Si vous continuez, je reste à 500. À est-ce que je peux utiliser mon savoir NFF pour essayer de gratter une info que je saurais et l'utiliser pour gagner plus? Wow. On va se retrouver à 500, fermez-la quoi, à un moment. Ouais, tu peux, vas-y, mais c'est plus compliqué. Vas-y, faut que tu fasses un bon jet. Moi j'ai une question, j'ai toujours la main du type à mon pied ou pas? Ouais. Est-ce que je peux balancer mon pied et faire écoute-moi bien connasse? N'importe quoi. Il a perdu bien après. Zut. Ils ont vu que je l'avais encore sur le retour. T'as pas vraiment de bonnes infos concernant. Non mais madame, est-ce que vous avez déjà partagé un cookie en 4? Ça fait plus rien à manger. Et bah c'est pareil pour l'argent là. Avec 500 euros dollars, vous en avez des boîtes de cookies. Hein. Avant que ça diminue, parce que je le sens mal, moi je mets mon empreinte pour valider ce qu'elle a dit. Écoutez, non, madame. Mais tu remportes 700 euros dollars, Zoran. Non, mais attends, t'as lu ce qui était sur la tablette là? J'ai lu 700 euros dollars. Moi je laisse se disputer, je suis mon mate. Tu remportes aussi 700 euros dollars. Hey, il a pas mis son doigt, laisse-moi parler. Écoutez, madame. Moi je vous dis, vous les mettez tous les deux à 600 et moi je prends 800. Comme ça vous êtes gagnant de 100 et moi je suis gagnant de 100. On est bien là. J'ai mis mon empreinte, moi j'ai mis 700, ça va. Moi je suis. Après moi je vous laisse tranquille et vous m'appelez quand vous voulez pour mission rendez-vous. Elle te tend la tablette, elle dit dernière tentative sinon j'annule votre offre. Allez, je mets le doigt. Darnat, tu mets le dos ou pas? Ouais, ok, allez, je mets le dos. Donc vous ajoutez tous les 4 700 euros dollars en plus sur votre compte et vous aurez l'occasion d'aller vous faire du petit shopping un peu plus tard. Et les gars, hein, c'est quand même grâce à moi que vous faites quand même 200 dollars en plus par personne. Moi, je pense que je pourrais prendre 10%. Hein.
Moi, je te tends un petit billet de 5€ si tu veux. Merci. Bon, moi, je te tends un billet de 5€. T'as pas 5€, t'es à l'hôpital. T'as pas 5€ sur toi. Mais j'ai pas 5€. Tu retires tes 5€ de toi. Merde. C'est un faux. Donc, on avait dit plus 1800$. Mais du coup, attends, avant toute autre chose, j'ai quand même à signaler que. Est-ce que j'ai pris les jours qui sont passés pendant les deux jours? Est-ce que j'ai pris chaque jour mon. Non, mais t'as été pris en charge par. Non, mais t'inquiète, t'as été pris en charge. Ok. La journée se termine sur une petite rentrée d'argent. Vous sortez de l'hôpital. Quel va être votre prochain objectif? Est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous allez faire quelque chose de votre côté? Dites-moi. Sachant que là, nous sommes du coup sur les dernières actions de vos personnages pour cette session. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous sortez de l'hôpital, il est midi, 13h. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je demande à Mick de me suivre. Ah, aller bouffer surtout avant, non? Vous êtes moi, je demande à Mick de me suivre, je vais à une borne et je lui donne mes 5€. Merci, ça c'est un bon. Donc retire-toi 5€ et donne 5€ à Mick, terrible. C'est fait. Eh ben écoute, pendant que je suis avec lui là, alors du coup je sais pas si les messieurs ils doivent faire tomber leur casque ou pas là. Hein? Ah tu veux me dire un truc? Si je veux parler avec Nuke là en fait. Ah tu veux parler avec Nuke? Ok, bah du coup Zoran et Darna t'enlevez vos casques. T'es sûr plus jusqu'à fond, hein, la vache. Bon Nuke, tu te souviens là en tout début de journée ou hier, je sais plus trop maintenant avec le décalage. Tu m'as dit que t'avais un petit souci là, tu veux que j'essaye de te trouver quelqu'un pour ce que t'as besoin? Ah, mes médicaments. Écoute, si t'as des petits contacts. Écoute, je vais retirer mes cachets de la boîte, je te donne ma boîte. Regarde un peu les composants qu'il y a dedans et essaie de me retrouver la même chose si tu y arrives. Ces cachets, c'est une fortune pour me les acheter, c'est un peu la merde. Si tu me trouves un truc en dessous de 100€, ça serait top. Et puis tu vois, Mick, que c'est une boîte de Santec. Et Santec, c'est une corporation. Qui a une grande importance dans la NFF vu que c'est les chaînes d'hôpitaux qui sont présents dans la NFF et que du coup ce sont des composés sortis par cet hôpital et cette corporation qui est du coup corporation hôpital. Je vais mettre ça dans mon inventaire, une boîte de Santex vide ouais bien sûr. Moi je vais mettre un petit paragraphe que je t'ai demandé un coup de main. Ok, je vais leur dire de remettre un casque. Vous dites plus rien d'autre, c'est tout? C'est tout. Ok. Eh les gars, il m'a filé 5$. Zoran et Darnat, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour continuer la journée? Moi, du coup, comme j'ai pour projet personnel de créer ma propre boîte de mercenaires, je tends à me trouver. La même chose, hein, plus ma carte de visite, si t'as besoin de quelque chose, j'ai des contacts. Non, mais après chaque bonne mission, faut savoir bien manger. Est-ce qu'il y a une cantoche pas loin? Oh, il y a des restaurants. Il y a des restos. Il y a pas de taverne. Hein. On n'est pas dans un univers médiéval. Il y a des restaurants. En Belgique, il y a encore des tavernes. Hein. C'est un endroit où on peut boire et manger. Il y a des super McDo si tu veux. Non, mais non, on est en ancienne France là. Il y a super McDo. C'est ça, c'est. Il y a des super. Il y a des fast-food. En fait, c'est beaucoup de fast-food et c'est beaucoup de malbouffe. Bah écoute, on va. Vous allez terminer la journée sur un petit repas ensemble, c'est ça? Un bon truc bien gras, tu vois. Ok. Un bon cadeau. Donc, vous partez tous les quatre, encore endoloris de certaines blessures d'il y a quelques jours. Vous avez réussi une nouvelle mission un peu plus dangereuse que celle que vous aviez fait auparavant. C'était peut-être la plus dangereuse que vous ayez faite jusqu'à présent. Elle vient s'inscrire dans une liste qui va être encore plus longue par la suite. Mais alors que vous partez, vous recevez un mail tous les quatre, un nouveau contrat, deux fois plus cher, vous proposant d'enquêter sur une présence étrange de créatures dans une mine dans les zones neutres. On vous propose de partir dans les prochains jours pour y aller. Et c'est ainsi, sur ces quelques mots, que se termine ce premier scénario de JDR de Terre 2102. Bravo. Bravo à tous.